peux pas travailler avec une ambiance comme ça, moi. C'est pas possible, hein. On n'est pas au marché pour crier comme ça. Ils parlent pas, ils hurlent. Et là, je vais me lever, là. Oulala, là, là, je ne pas t'énerver. Ah non, non. Moi, écoutez, je me déplace gracieusement pour venir aider les gens et vous me manquez de respect, non, pas, aux énergies et tout ça. Donc, je veux du silence. Je ne peux pas travailler avec du brouhaha pareil. C'est impossible. Et je vous avertis, une fois que vous avez vos questions, vous ne vous levez pas et vous partez, hein, parce qu'on n'est pas à la fête foraine. Hein. Ceux qui doivent rester jusqu'au bout, ils restent. Ceux qui doivent partir, je préfère qu'ils partent maintenant parce qu'ils se lèvent, ils partent, ils ont leurs questions. Mais c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Dans le micro, chouchou. C'est pas spirituel de faire ce genre de choses. On va décroiser les mains et les jambes. Ah, mais c'est incroyable, hein. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ils se lèvent, ils partent, et tout ça, c'est non. On fermera la porte là-bas au moins, comme c'est parti, on prend. Mais il faut de l'air chouchou, chouchou. Hein. Ah, on prend place. On éteint les portables, pas de sonnerie portable, merci. Je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles, est-ce que vous le comprenez? Nous sommes nombreux. Et oui, non mais... J'arrête pas de le dire, hein. Ça manque de respect vis-à-vis des défunts. On décroise les mains et les jambes. Là-haut, ça gueule, hein. Ouh là là. Et ça crie très très fort là-haut, hein. Voilà. Ils ne sont pas contents. Oui, ils s'énervent. Ils ne sont pas contents, attention. Hein. Je suis obligée de le dire, hein. Je le dis moi. Ben oui, hein. Faut respecter. On décroise les mains et les jambes, on éteint les portables. Pas de portable qui s'allume, pas de sonnerie, sinon je confisque. Allez hop, et j'en rends la fin. S'il est beau, je le garde. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes. Moi, j'ai dit tout à l'heure à l'entrée, pour les présidents d'associations dans lesquelles j'ai côtoyé tous ceux qui sont décédés, Christelle Gou, Roger Maréchal, Madeleine Salambier. Et pour le petit homme. Pour le petit homme aussi qui est décédé. Non, il n'est pas décédé, il est malade. Pour les, qu'il est malade. Pour la maman de Mauricette qui est décédée, André, d'un cancer fulgurant. Pour ces personnes aussi qui sont décédées du Covid et tout ça, un peu de respect pour les morts. Merci s'il vous plaît pour eux. Pour Lucas et Héloïse aussi. Pour Lucas et Héloïse qui sont malades, c'est ça? Non, qui sont décédés. Qui sont décédés, les enfants. Toutes ces mamans qui m'appellent pour les enfants qui sont décédés. Toutes ces personnes qui sont défuntes toutes seules, à l'hôpital, par rapport au Covid, au cancer, à toutes ces choses-là. Dans le micro. Voilà. Alors, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes. Pour la paix dans le monde. En l'honneur de Sainte Rita pour demain sa fête. Bonne fête, Sainte Rita. Là, sur le côté gauche. Vous avez perdu vos parents, monsieur? Oui. Parce que t'as ton père et ta mère décédés derrière toi. Vous leur parlez à vos parents souvent? Oui. Voilà, parce qu'ils me disent, ils parlent. Vous leur demandez de l'aide? Pas spécialement, je pense à eux. Oui, je leur demande de nous protéger. Ben oui, vous leur demandez de l'aide. On est d'accord? Oui. Hein, c'est lui qui me dit ça. Papa, il me dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui me dit. Il n'aimait pas trop, il était plutôt discret, votre père. Hein. Donc pour qu'il vienne aujourd'hui, c'est que vraiment c'est pour lui faire plaisir. Parce qu'il n'aime pas, il y a trop de monde qui me dit. Je vous dis ce qu'il me transmet, votre papa. Votre papa, c'était quelqu'un qui était plutôt introverti, assez pudique, réservé, timide, qui n'aimait pas se mettre en valeur comme ça devant les gens et tout ça. Jamais. Quelqu'un de bon, qui avait une bonté, une générosité extraordinaire. Et d'accord? Oui. Qui c'est qui est mort du cœur et qui c'est qui est mort du cancer, monsieur? Alors, du cœur, c'est mon papa. Voilà, et du cancer? Le cancer, c'est ma femme. Voilà. Vous avez perdu un frère et une sœur? Un frère. Voilà. Et une belle-sœur, une sœur? Qui c'est cette femme? Non. Ah, une sœur, petite. Mais oui. Non, mais je ne l'ai pas connue. Votre frère, votre père, votre mère et votre sœur, ils sont ensemble. D'accord. C'est pas deux personnes que vous avez quatre personnes qui vous protègent, monsieur. On vous aide et c'est extraordinaire. Vous pouvez les remercier, hein. Je les remercie. Parce que c'est important.
Ben oui, mais vous pouvez, hein, parce que c'est important. Surtout que ton père, il n'aime pas tout ça. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Ben oui. Alors vous, vous vous ouvrez gentiment la spiritualité tout, depuis tous ces décès. Vous avez eu une série de décès, c'était pas longtemps que vous avez tous ces décès comme ça? Non, ma femme, ça fait 2 ans. Oui. Ça va faire 2 ans au mois de juillet. D'accord. Sinon, elle a souffert, votre femme. Oui. C'était une très belle femme, votre femme. Oui. Très coquette. Elle me fait ça. Elle avait un bracelet ou une montre. Pourquoi elle me fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Je sais pas, elle me fait ça. Comme la reine d'Angleterre. Elle avait. Non, elle fait pas ça. Elle fait ça. Elle avait un bracelet ou une montre. Qu'est-ce que vous en avez fait de sa montre ou de son bracelet, monsieur? Ah, je pense que c'est ma fille qui a dû la récupérer. D'accord. Parce que, comme de leur dire, où est ma montre, où est ma bracelet. Oui, parce que pour elle, c'était important ses bijoux. Hein. Elle était très coquette. Coquette, hein. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout. Oui. Et elle ne s'est jamais plainte. Elle a été honnête et dans la dignité, dans une souffrance terrible, monsieur. Jusqu'au bout. Elle vous protège. J'ai suivi jusqu'au bout, alors je sais. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Mais alors, elle est décédée à l'hôpital. À la clinique. Parce qu'elle me montre le lit, tout ouais. Bien rangé, tout plié, tout. Comme elle veut dire, au suivant. C'est une clinique ou un hôpital? Une clinique. Voilà. Il y a beaucoup de décès dans cette clinique. Hein. Ouais. On est d'accord? Parce que là. Je sais. Il y a du monde, hein? Ouais. Donc, bon, votre papa il est décédé du cœur, votre maman elle est décédée du cœur aussi, ou de la tête? Qu'est-ce qu'elle avait la tête? La tête, elle a fait une hémorragie cérébrale. Voilà, la tête, là. Ça me tape dans la tête, là, comme ça. Ça fait très très mal dans la tête. Ça veut dire qu'elle a souffert aussi, votre mère. Ouais. Qui est Madeleine et qui est Sylvie? Madeleine, je ne sais pas, Sylvie. Sylvia, c'était ma soeur. Sylvia, c'est votre soeur décédée? Oui, que je n'ai pas connue. Mais elle vous protège. Vous avez tendance à l'oublier, votre sœur, hein? Non, je pense. Faut pas l'oublier. Mais je ne l'ai pas connue alors, mais j'y pense. Et Raymond ou Raymonde, c'est qui? Ah, c'est une amie de mon frère. Raymonde? Qui est décédée? Oui, elle est décédée. Coucou, elle dit. Coucou. Elle vous dit, comme ça. Comme là, bon, si je suis là. On me donne ça. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre, c'est au niveau professionnel et tout ça. Je suis à la retraite. Oui, mais vous aviez des décisions à prendre avant la retraite ou pas? Non, disons que là, je continue à travailler de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez arrêter, commencer autre chose? Dans autre chose, c'est compliqué, dans votre tête, il y a du monde. Hein. Disons que je travaille dans un hôtel. Vous resterez toujours actif, vous ne resterez pas sans rien voilà, faire, c'est pas possible. Sinon, vous signez votre arrêt de mort. On est d'accord? Ou si ça ne bouge pas, s'il n'y a pas des rencontres, s'il y a pas... je ne peux pas, je ne supporte pas. D'accord? C'est ça. Voilà. Donc, je vois encore travailler. Vous me dites, tu es à la retraite, j'allais dire, mon Dieu. Je travaille encore. Ben, c'est ce que j'aime te dire. Je n'arrête pas. Mais il n'y a pas de retraite pour vous. Non. Ben, c'est ce que je dis jusqu'à la mort. Pour vous, ça me plaît. Comme ça. Vous aimez le contact humain. Oui. Vous aimez rencontrer, discuter avec les gens. Bonjour, au revoir. Ayez sympathie avec des gens que vous avez. Vous adorez la convivialité. Oui. Vous avez beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour pour les autres. Oui. Vous êtes quelqu'un de droit, d'honnête, avec un grand cœur et un bon cœur. Oui, vous avez des bonnes valeurs et des vraies valeurs, monsieur. D'accord? Si. Qui c'est Maurice? Mon père. Moi aussi, je suis là tout de suite. C'est son grand-père. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, sa gueule, là, comme il vous faisait du bruit, les morts, ils sont là. Il me dit, c'est quoi ce truc-là, on ne sait pas. Hein. Non mais, ça rigole pas. Hein. Avec sa voix grave, là, comme ça, comme l'avait dit, monster, ces gens-là. Oui, surtout voilà. Qu'ils n'aiment pas ça, donc c'est important. La nuit, on vous recharge, monsieur. Vous savez les pinces qu'on met sur les batteries des voitures, la pince rouge et noire, ben vous, on fait clic, clic, allez hop, on te recharge. Vous êtes fatigué, vous avez mal aux jambes? Oui, aux genoux. Voilà. Parce qu'il me dit, attention à tes jambes, vous voyez les tensions des genoux. C'est ça. Alors, les genoux, c'est très symbolique. Ça veut dire je me noue ou je me dénoue. Mais de qui et de quoi? D'une situation, d'un travail, de quoi? Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment, monsieur. Oui, c'est le travail. Merci, monsieur. C'est juste 3 fois que tu le dis. Oui, hein, très perturbé. Je le sais. Hein. Pourquoi vous avez peur qu'ils aient plus besoin de vous? Quelque chose tout comme à fait. Ça y est, vous avez peur qu'ils vous disent, allez, le petit vieux, là, on le met, il est en retraite, on le met au placard. Vous avez peur. Et c'est pour ça que vous en faites de trop comme ça dans le boulot?
Non, pas du tout, c'est parce que c'est ma nature. Ah oui, mais oui, mais il faut se calmer, on a plus 20 ans. Hein. Je sais. Mais... Tout père, il me fait chanter. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ils avaient de l'humour comme ça, mon papa? Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il me fait chanter la chanson. Il est très drôle. Oui, c'est très drôle, hein. Et Joseph, c'est qui? Chut, silence, j'ai dit. Merci. Joseph, je ne vois pas. Joseph décédé. Quand j'étais petit, il y avait un monsieur qui venait chez nous qui s'appelait Joseph. Merci. Papa et maman, ils le voient de l'autre côté, Joseph. J'étais petit. Ils se sont retrouvés. Ils vous aimaient beaucoup, Joseph. Oui. Ils venaient manger avec vous à la maison et tout ça, monsieur. Oui, j'avais des voilà. J'ai une photo de lui. Souviens-toi, rappelle-toi qui m'a dit Joseph. J'ai une photo de lui au carnaval. Mamie au carnaval. Tu vois il y a Raymond, il y a Joseph, il y a Maurice. Et Coco, c'est qui Coco? Alors là, je ne comprends pas. Coco, c'est Colette. C'est... Ah, Colette. Qui Colette? Coco, attends. C'est drôle là-haut. Elle crie et tout. Non, c'est une amie, je connais Colette, mais après, elle n'est pas décédée. Non, non, mais je n'ai pas dit qu'elle était morte. C'est une amie à vous, c'est qui? Oui, c'est une amie que je connais depuis un longtemps. Elle me tourne un peu autour. Ah, votre tour, elle est mariée. Elle est mariée, là, Coco. Hein. Elle vient de faire son ça veut rien elle dire. Elle ne court pas du tout après. D'accord. Et vous, vous voudriez refaire votre vie, monsieur? Non. Pas vous remarier. Mais vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Peut-être. Ouais. Mais vous ne cherchez pas. Non. Blonde, brune, rousse. Je regarde. Hein. Brune. Brune. Oh, brune. Voilà, il y a pas de brune, là. Hein? Il y en a, il y a ce qu'il faut aujourd'hui, monsieur. D'accord, on me donne ça. Oui, parce que vous n'aimez pas la solitude, vous. Non, vous la côtoyez, la solitude, mais elle ne fait pas bon ménage avec vous. Voilà. Vous, plus on a du monde, plus on rigole et tout, voilà. Et plus vous êtes heureux. Ah, oui. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Donc, un remariage, c'est non. Sa femme, elle ne veut pas, ça c'est clair. Avoir quelqu'un. Avoir. Ta femme, elle ne veut pas. Elle a raison. Ah mais, au mariage, même pas, elle sait non. Mais elle est là. Avoir qu'elle... Oui, mais elle est là, c'est pour ça que je te dis, elle ne veut pas. D'accord. Non, mais elle ne veut pas. Quand un défunt, il ne veut pas, elle ne veut pas. Je crois que c'est pour ça. C'est compliqué. Avoir quelqu'un, oui, un remariage, c'est mieux. Bon, ça va. D'accord. Non, pour le boulot, tu vas continuer encore, ne t'inquiète pas. Tes morts, ils sont tout autour de toi et ils te disent que tu manqueras jamais de rien. D'accord. D'accord. Ta maman, elle t'embrasse très très fort. Elle te remercie par avance par rapport à la fête des mères et elle me dit de te dire, moi, ce jour-là, je penserai toute la journée à toi. Tu comprendras pourquoi le jour voulu de la fête des mères. D'accord. Dimanche prochain. Oui. D'accord. Avez-vous une question à poser? Non, je crois que j'ai eu... Ils sont bien vos morts, monsieur. Oui. Peut-être pas, vous inquiétez pas pour eux. Ils sont bien. Votre femme, elle est décédée jeune, elle n'était pas vieille. Hein. 69 ans. Ah ouais, elle était... Ah, c'était terrible. Hein. Ouais. Mais elle savait qu'elle allait partir. Au début, ouais. elle s'est battue. Oui, elle s'est battue. Et après, elle a baissé les bras et elle s'est laissée complètement aspirer comme ça et tout. Et elle savait qu'elle allait partir. Tout à fait. Elle vous demande pardon, mais... Je pense qu'elle ne va pas me demander pardon. Non, mais elle vous remercie pour tout. Elle a été très heureuse avec vous, monsieur. Vraiment très heureuse. Dis-lui que je l'aime et que tout l'amour que j'avais ici-bas sur cette terre, ça continue. Je l'aime encore. Moi aussi. Vous avez une question? Non. Ils sont bien. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. J'adore Maurice. Maurice. Ah ouais. Wow. Alors, pour mon petit-fils, qu'est-ce Marco. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour Marco? Il veut faire une carrière dans le sport. Il a gagné des trophées, Marco? Pas encore. Pas encore. Mais il est jeune, là, quel âge il a? Il va faire 14 ans. Ah oui, mais moi je vois des trophées. Donc s'il y a des trophées, je pense qu'il y a quelque chose de positif pour lui. Hein. Il faut qu'il soit vraiment assidu. Assidu dans son. Je ne suis peut-être pas pour ça. C'est une passion pour lui. Hein. Ah oui. D'accord. Et c'est drôle. Oh là là. Alors je termine avec vous parce qu'après il y a du monde. Oui, oui, oui. J'ai une espèce de.
de voiture de sport qui est passée très très vite sur votre tête. Comme une Ferrari ou comme... Vous savez, les voitures de rallye, les Ferrari, les, comme les rallyes Monaco, les trucs comme ça, vous êtes déjà allé là-bas, vous? Voir des rallyes ou des choses comme ça? Oui, le Grand Prix de Monaco. Vous avez des copains ou quelqu'un qui conduisait des voitures rapides comme ça? Ben, le père de Marco. D'accord. Il est vivant, le père de Marco? Oui, il est. Il faudra qu'il roule un peu plus doucement. Oui. D'accord. Parce que j'ai eu un bolide qui est passé sur ta tête comme ça, rapide. Ah. Faire attention. Et c'est ce qu'il veut faire, Marco? Voilà. Non. Ah, c'est pas ça qu'il veut faire, Marco? Non. Si, le sport, mais il est... Non, mais il ne veut pas conduire. Ah, d'accord. C'est son père qui conduit. Avec des numéros et tout dans le... il a fait des rallyes, son père. C'est ça, et il a gagné avec des numéros dans le dos. Il a gagné des trophées. Des... Donc, dans la famille, ça veut dire qu'il y a déjà des sportifs. D'accord. On a terminé avec ça. Il y avait le... Waouh, la voiture qui a circulé sur ta tête. Ça t'a rasé la crinière. Allez, je te laisse. Merci. De rien. Par là, tu bouges pas là. 3-4e rangée. Là, j'avais quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est jeté dans le vide. Alors, c'est pas défenestré parce que je suis sur un pont, je me jette du pont et je me jette. Mais c'est profond, je me jette dans le vide. Un suicide. C'était une femme. Pas vieille, belle, mais déterminée. Je voulais mourir, elle me dit. Ça parut dans les journaux. Là, je suis par là. 1, 2, 3, 4. Entre la dame en bleu. Mais elle est tombée, c'est jetée dans l'immeuble. Comment? Elle s'est jetée dans l'immeuble à Nice. Pas de pont. Non. C'est pas. Non. Non, puisque c'est d'un pont. C'est pas d'un immeuble. Non, je suis par là. 4e rangée, je pense. Par là, ouais, avec la dame en bleu. Entre la bleue, la noire et puis la grise habillée en couleur, je ne sais pas, j'arrive pas à voir, ils sont là, les quatrièmes. Entre vous trois. Voilà. Quelqu'un qui a côtoyé, qui a connu quelqu'un qui s'est suicidé. Je ne suis pas ici dans la région. Elle s'est jetée d'un pont, cette dame. Alors, je ne sais pas, madame avec le pull noir, je ne vois pas. Rayé, voilà. Je vois le truc noir, c'est tout. Vous, madame, je pense que je suis avec vous. D'accord. Vous n'habitez pas ici? Si. À Nice, vous habitez? Depuis 4 ans. Voilà, parce qu'on me dit, vous n'êtes pas de la région, on me dit. Ouais. On est d'accord? Oui. Et vous avez ramené cette entité avec vous ici. Vous étiez où avant, à la campagne? Besançon. Voilà, et on me met à la campagne. Et quelqu'un qui s'est jeté d'un pont, dans une rivière ou quelque chose comme ça. Dans les Alentours, dans le département 25, c'est le 12. Hein. Ça ne vous parle pas, ça? Ah, pourtant j'ai ça, hein. Une femme, un homme. Une femme. Elle s'est suicidée. C'est pas quelqu'un de proche de vous, c'est pas de votre famille, mais vous avez ramené l'entité avec vous. Ah non. Ah si, si. Ah, si. Puisque elle vient du 25, c'est pas ici, le 25 ici, c'est le 06, ça n'a rien à voir. Hein, ça a paru dans les journaux. Oui, ça a paru dans les journaux, tout ça. Et j'avais aussi la région de Belfort aussi, ça marque pour vous. Oui. Les lions de Belfort, madame, ça marque? Un petit peu, oui. Vous êtes d'où, vous, exactement? Moi, je suis jurassienne et j'ai vécu 20 ans dans le Doubs. Dans le Doubs? Ben oui, c'est bien, toi. Donc, c'est quelqu'un que vous avez connu ou que vous avez côtoyé. Vous avez fait plusieurs travaux, vous? Oui. Voilà, c'est bien, toi. Je sais pas comment faire rien. Cette femme-là, elle s'est suicidée. Elle n'en pouvait plus de vivre. Elle avait un ras-le-bol. Elle avait des problèmes psychologiques, psychiatriques, psychologiques et tout. Elle n'était pas bien, ça... Ça tournait pas rond dans sa tête. Et c'est jeune? Oui. Elle n'avait pas 20 ans, mais elle devait avoir peut-être entre 45 et 50 ans. Elle n'était pas vieille, elle n'avait pas 80 ans. Et elle s'est jetée d'un pont à la rivière. Et oui, et je suis par là-bas. La ville de Dijon aussi, ça vous donne quelque chose, madame? Oui, mais ça ne me parle pas. Je n'ai pas tant mes connaissances. Oui, mais c'est, pour moi, ça me parle. Je suis avec vous, hein, je ne quitte pas et tout ça. Hein. On me dit que vous avez fait plusieurs travaux, c'est exact? Oui. Vous êtes mariée, madame, vous? Oui. Voilà. Et avec votre mari, vous avez changé de région, vous êtes venue vivre ici, c'est ça? Voilà. Voilà, mais c'est bien toi, je m'excuse. Hein, excusez-moi de vous déranger. Hein, non, non, non. Elle verra une fois qu'elle est partie, mais moi je suis plus là, moi. Donc, et on me donne ça. Et dans
vos ancêtres, madame, il y avait des gens qui travaillaient la terre, des paysans, des agriculteurs. Oui. Voilà. Et quelqu'un qui avait un jardin potager. Et on m'amène aussi, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, la guerre 39-45. Les années 40, ça marque. Qui c'est qui a fait la guerre? Qui a vécu la guerre? Donc ils ont connu la guerre, votre papa et votre maman. Famille nombreuse. Ils étaient jeunes. Voilà. Famille nombreuse, c'était. Mais ils l'ont vécu quand même. Oui. Famille nombreuse, c'était qui? De ma mère. Voilà, oui, je suis bien avec toi. Qui a travaillé à l'usine? Ma mère. Ah, c'est pas peut-être, c'est ma mère. Merci. Elle est décédée, votre maman? Oui. Voilà. Mais toi, tu ressembles plus à ton père, toi. Hein? Non, plus à ma mère. Non, dans le caractère, tu as les traits de ton père. Oui, de... Tu ressembles, tu as le caractère de ton père avec la physionomie de ta mère, on est d'accord? Voilà, c'est bien ça. D'accord. Vous avez un frère? J'en ai deux. D'accord. Mais tu as un frère avec qui tu es plus proche que l'autre? Oui. Un qui est plus gentil? Oui, enfin, plus cool? Plus cool, voilà, oui. L'autre, il est moins cool? Ben, je suis plus proche en âge. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi, je ne m'arrête pas à l'âge, la religion, la couleur, je ne m'arrête pas à tout ça. D'accord, hein? Et votre frère, il vient dans la région passer un séjour ou quelque chose comme ça? Il est venu, oui. Il est venu il n'y a pas longtemps, hein? Voilà. Il reviendra, on me dit. Ah, super. D'accord, on me dit qu'il reviendra et tout ça. Qui c'est qui vous dit? Bah, la dame qui s'est suicidée. La dame qui s'est suicidée, jetée dans le vide, dans la rivière. Est-ce que tu vois toujours pas? Un prénom avec un J, un prénom avec un P, ça vous donne quelque chose? Jacques. Oui, et P. Philippe, Pierre, Paul, Patrick, ça vous donne rien ça? Pascal. Pascal. Non. Plus au masculin. Paul ou Pierre, ça vous donne rien? Pierre, peut-être. Ma mère avait un frère qui s'appelait. On a ton oncle alors, décédé. Je n'ai pas beaucoup connu. Ben oui, mais vite connu, le pauvre, hein, avec tout ce que j'avais. Il vient te voir lui aussi. Ici, vous êtes plus heureuse. Au début, ce n'était pas facile à t'adapter. Pas du tout. Non, au début, tu as eu beaucoup de changements. Oui, mais au début, ce n'était pas facile pour t'adapter. Qu'est-ce que. Pourquoi? Qui c'est qui ne savait pas où mettre ses fesses? Excusez-moi le terme. Quelqu'un qui ne sait pas, qui sait pas où aller, comment faire et tout ça. C'est très symbolique. Hein. Moi peut-être. Voilà, parce que je me tourne dans tous les sens. Ça va vu, j'arrête pas de tourner. Donc c'est par rapport à toi. Il y a une espèce de mal d'être aussi. C'est au niveau professionnel, c'est au niveau quoi? Ça te plaît, ça te plaît pas? Qu'est-ce qui se passe là? Familial. Hein? Familial. Oui, tu ne sais pas où te tourner. Voilà, tu sais pas où te mettre en place par rapport à ta famille et tout ça. Voilà. Par rapport à tes frères ou par rapport à qui? D'accord. Papa, il est décédé? Mon papa, moi? Oui. Et maman, elle est vivante? Non. Elle est décédée aussi? Tu étais plus proche de papa? D'accord, on va mettre ça. Qui c'est qui avait des problèmes de dents comme ça, énormes? Oui. Il y avait un dentier. Ah, un dentier? Ben oui. Des choses qui arrivent, hein? Bah oui, mon père. C'est ton père? Oui. D'accord, on me donne ça. Ils sont enterrés ensemble, tes parents? Oui. Voilà. Pourquoi ils s'inquiètent pour l'autre frère? Qu'est-ce qu'il a, ton frère? Il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien. Il est seul, ce frère-là, ou pas? Il est seul, oui. Voilà. Il va rencontrer quelqu'un, ça ira mieux. Oh, voilà. Il trouvera, je serai à son pied. Qui c'est qui fait du gratin dauphinois comme ça? C'est drôle ça. Et toi? Moi j'aime bien. T'aimes bien le gratin dauphinois? Oui. C'est pas de la région, hein. C'est pas de mon délire, hein, tout ça. Ben non. Non, mais j'aime bien. D'accord. Et pourquoi les Vosges et le Jura avec toi? C'est à côté? Les Vosges, le Jura, c'est je suis jurassienne. Ah, t'es jurassienne? C'est très joli le Jura. Et les Vosges? J'avais ma. Qui était vosgeois? Vosgien. Vosgien, pardon. D'accord, ça c'est du côté de ton mari. Ton mari, il est très gentil. Oh, c'est une patte cet homme. Ah ouais. Pourquoi tu lui. Bah si, pourquoi tu lui gueulais dessus comme ça? Tu regrettes, hein? Non. Non, mais tu regrettes parce que maintenant tu sais plus à qui gueuler.
Ben oui, c'était une habitude, c'était comme ça. Non, ton... Ah si, t'entends ton mari, peut-être t'as tort, tu vois. Bien sûr qu'il t'entend. Non, il en faisait qu'à sa tête. Oui, mais parce qu'il en avait marre, il ne voulait pas de directive. Mais il était très gentil, ton mari. Ah, c'était vraiment quelqu'un qui était comme ça. Un mari en or, t'as eu. D'accord. Il est décédé jeune, quand même, cet homme. Très jeune. D'accord. Tu avais des ennuis de santé? Eh bien, jusqu'à ce qu'il soit malade, avant, il n'en avait pas. Mais... Si, il ne se soignait pas. Lui, il fallait qu'il soit raide, allongé par terre pour aller voir le docteur. Oui, il ne supportait pas les docteurs, ni rien et tout. Hein. Décédé du cancer, ton mari? Alors, il a souffert. Pourquoi le ventre, il avait les métastases partout. Vous avez deux enfants, vous? Oui. Ils sont beaux, vos gosses. Vous êtes grand-mère? Oh non. Ça va venir, hein, en fait. Mais des sous côté. Ça va coûter cher, l'histoire. Eh oui, bah non, c'est faux, tiens. Pas encore grand-mère, vous allez être, tu verras. Pas combien de temps? Quel âge ils ont? Ils sont jeunes, attends, on va pas les marquer. Ils sont en âge, 24 et 26. Oui, non, mais ils sont un peu jeunes, attends, cool, doucement. Non, je suis pas possible. Oui, mais je sais, eux non plus, t'inquiète pas. T'as un garçon, une fille, c'est ça? Oui. Ah, ils sont gentils comme tout. Il y en a un qui ressemble à son père, c'est qui? Le garçon? Oui. Il a la tête à son père? Plus le caractère. Voilà. Son père, de là-haut, il est fier de son fils. Ah, transmets-lui ce message. Pardon? Il était fier de ses deux enfants. Oui, mais il me dit qu'il est fier de son fils. Transmets ce message, me dit de te le dire. Et vous êtes toute seule, vous, madame? Non, je suis avec quelqu'un. Voilà. Mais lui chez lui, vous chez vous ou... Non, moi, je suis chez lui. D'accord. Et des fois, il y a des hauts et des bas avec cette personne? Oui. Ouais. C'est pas ton mari, hein? Non. Ah, ouais. Pardon? C'est tout le contraire. Ah oui, je sais. Je pense pas que tu resteras avec cette personne. Bon, ben voilà. J'attendais que la pilule est passe. Non, non. Parce que c'est vrai que quand on a connu un mari comme tu as connu, toi, ben après, il faut ou l'équivalent, si ce n'est pas plus, mais moi, un peu pas. C'est pas possible. On est d'accord? J'espère même pas, parce que... Ah si, il y aura quelqu'un d'autre. Ah. D'accord, tu te rappelleras. C'est pas un Vosgien et c'est pas un Jurassien, d'accord? Il est gentil, son mari. Ouais, ça sera un niçois ou une niçoise, une salade, comme on dit. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Ça sera quelqu'un qui aura une origine italienne, je pense. Tu te rappelleras de ça? D'ailleurs, en parlant d'origine italienne, il y a quelqu'un qui a une origine italienne autour de toi, c'est qui? Et c'est qui? Italienne? Oui. Ben, j'ai des collègues de travail qui sont italiens. D'accord. Avec qui vous avez sympathisé? Oui. Vous buvez le café et tout, des fois, et tout, vous? Oui. Voilà, c'est bien, vous n'ennuyez pas, hein? Vous bossez quand même un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans les bureaux que tu travailles, toi? Non, non. Non? Qui c'est qui a travaillé dans les bureaux? Dans mon entourage? Oui. Mon mari. Ton mari, qu'est-ce qu'il faisait? Ah oui. C'est dans les bureaux et sur le terrain. Oui, ça lui prenait la tête, ça. Oui. Donne ça. Bon, on me dit que là, il y a une bonne ambiance et tout ça. Le commerce, tu as travaillé dans le commerce, toi? Non. Dans les soins. Mais le commerce, qu'est-ce que tu as travaillé dans le commerce, dans ta famille? Tu te renseigneras dans ta famille, une bonne chose. T'as une grand-mère, la carrée, elle a les deux mains comme ça. Posez l'une sur l'autre comme ça. Elle avait tout timide. Première de dire je peux passer. Je dis bah oui, viens. Là, c'est le dernier. Maternelle, paternelle. Ta grand-mère maternelle, elle s'est occupée de toi, cette dame. Ah, je sais pas plus longtemps. Eh ben, elle s'est occupée de toi, t'étais bébé et tout ça, elle te protège. Ah oui. Et vu que je la protège. Elle me dit de te dire que tu manqueras de rien. Ah, c'est gentil. Tu comprends le message? D'accord. Dis donc, en parlant de manquer de rien. Il y avait quelqu'un qui faisait griller du pain, qui faisait... J'arrête pas de sentir du pain grillé, là. C'est quoi, ça? C'est ma maman. Ah! On jetait pas le pain? Non. Les morceaux de pain qui traînaient, allez, on les faisait griller, on mettait du beurre ou des trucs, on les faisait tremper dans le café, ou des trucs comme ça. Voilà, il n'avait pas rien plus. Voilà, on jetait rien. Non. Et on faisait la cuisine avec, on faisait des trucs et tout. Hein. Ouais. D'accord? Tu vois toujours pas la femme qui s'est défenestrée, qui s'est jetée dans le vide et dans la rivière? Dans tes ancêtres, tu sais pas. Ça te donne vraiment rien. Quelqu'un qui est mort noyé,
et le corps qui circulait comme ça dans la rivière. Je vois des rochers et tout. Oh là là, ouais. Oui, c'est beau, ça va, c'est bon. Hein. Ah, alléluia. Bah, tu l'as dit. J'ai pas, je t'ai dit que c'était pas de ta famille. C'est qui? Un jeune homme de 20 ans. Mais non, c'est une femme. Et c'était qui ce jeune homme de 20 ans qui s'est... Peut-être c'était le frère de ma belle-sœur. D'accord, mais il y a eu une femme qui s'est suicidée là. Tu demanderas, tu te renseignes. Elle a 40 ans, ça ne dit rien. À peu près entre 40 et 50 ans, elle avait cette dame-là. Mais il y a longtemps, hein, c'est pas récent. Hein, ça, c'est quelque chose qui date peut-être de 25 ou 30 ans en arrière. Hein. Tu vois, c'est vieux. On me le donne. Bon, on me dit que le monsieur avec qui tu es, tu ne resteras pas avec lui. Je suis désolée, mais tu le sais. Hein. Oui, je sais. Ça ne fait que confirmer ce que tu sais. Il y aura quelqu'un d'autre parce que tu pensais que tu allais rester seule. Eh bien non. Allez, c'est comme ça. On me donne ça. Ton mari te protège, il t'embrasse très très fort. Oui, je le sens. Ah, et il veille sur toi comme... C'est quelque chose d'exceptionnel, hein, d'accord? Il me dit de te dire qu'il est souvent proche de toi, n'aie pas peur. Tu l'as déjà vu, ton mari, en songe et tout ça? En songe, oui. Oui, parce qu'il me dit qu'il est déjà venu par les rêves. Hein. Oui. D'accord. Et il me dit, je reviendrai. D'accord? Est-ce que vous avez une question à poser? C'est pour les enfants. Qu'est-ce que ça va? C'est surtout pour ma fille, qui ne pas être ici. C'est la vie qu'elle mène qui la rend agressive, on me dit. Oui, non, c'est mais. Vis-à-vis de moi. Hein? C'est vis-à-vis de moi. Elle t'en veut, je ne sais pas de quoi elle t'en veut. Elle t'en veut de quoi? D'être venue à Nice. Hein? D'être venue à Nice. Elle voulait rester là-haut? Elle voulait rester à Besançon. Oui. D'accord. Ah, bon. Et moi, je ne veux pas reprendre. Non, toi, tu voulais tourner la page et passer à autre chose. Oui. J'ai compris. Oui, mon mari aussi. Que... Oui. Et avec ton mari, tu es venu ici quand même. Hein? Ben oui, ben tu as très bien fait, il fallait le faire ça. Mais savais que c'est mieux. Il fallait le faire, c'est comme ça. Et ta fille, si elle veut retourner, ben qu'elle retourne, hein? Mais toi tu restes ici. Elle ne veut pas venir me voir. Elle reviendra, ta fille. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Ton mari s'en occupe. D'accord. Tu me chercheras qui c'était cette femme qui est morte noyée, entre 45 et 50 ans, très belle femme, toute seule. Qui avait déjà fait des tentatives de suicide et ça a paru, dis donc, mais c'est pas quelqu'un de ta famille, hein. Ça a paru même dans les journaux. C'est dans, dans le 25, on me dit. Voilà. Dans les années 90. Oui. D'accord. Recherche. Merci. De rien. Merci, Chantal. De rien, merci, l'amour. C'est bien, il y a une très belle évolution spirituelle et ton mari, il t'aide pour que tu évolues, que tu changes et tout. Il était temps. Hein? Alors, toi, je t'ai. Tout. En mieux. Je vois des poules avec des œufs là, c'est quoi ça? Je vois des poules avec des œufs. Qui c'est qui avait des poules qui faisaient des œufs? Ma mère. Elle m'a fait un œuf comme ça là. Trop marrant. Elle t'a fait un œuf. J'ai une poule qui passait, on n'est pas à Pâques, hein, avec un œuf là comme ça là. Voilà. C'est ta mère qui allait chercher des œufs comme ça? Oui. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être deux, trois, mais. Oui, mais elle n'avait pas beaucoup de poules. Voilà, on a cueillié un ou deux ou trois peut-être si elle est lâchée. Voilà, oui, c'est deux poules. Voilà. Toi, c'est, tu vois, ça c'est ta mère qui te fait une blagounette. Merci, maman. N'oublie pas ta mère, la fête des mères, hein, d'accord? Allez. T'avais une question peut-être, non? Pas de question? Allez, c'est parfait. Ton mari t'embrasse hein, quand même. Mais il ne veut pas que tu restes avec l'autre. C'est comme ça. Allez, je te laisse. J'ai quelqu'un qui se fait sauter la tête avec un fusil. Ouais, j'étais au fond. C'était qui pour vous? Un monsieur, hein, c'est ça, hein, d'accord. Il y a longtemps. Combien d'années en arrière? Je n'ai pas connu. Ah, il y a longtemps. Il vous protège. Dites donc, ma petite dame, vous avez des envies, vous, des fois, d'aller un peu là-haut et tout? Ça va pas, non? Là, tu te fais engueuler, hein. Ben oui, vous devez comprendre ce que je vous dis là, en ce moment. On est d'accord? Il me dit,
de, comme de leur dire, regarde ce que moi j'ai fait. De leur dire, tu vois, est-ce que tu crois que ça a arrangé les choses? Ben non. Eh ben toi, c'est comme s'il vient. Parce qu'il entend ton désarroi, il entend ta peine. C'est toi qui pleures sans arrêt comme ça? Ouais, on va faire une piscine. On va nager. Et faire rire du coup. D'accord, on nous donne ça. Il y a eu une rupture, une séparation pour vous ou pas? Récemment? Oui. Voilà. Il n'y a pas longtemps, là, combien, une semaine, 15 jours? Une semaine, c'est récent là. C'est ça. Et il vous rappelle ou pas? Oui. Ouais, ben, on va le promener. D'accord? C'est fini, on vous dit. Est-ce que tu comprends le message? Vous voulez vous remettre avec? Oui. Eh ben non, ton grand-père, il me dit. Tu vois? Eh ben non. Ça. Qui c'est qui était marié, qui est divorcé parce que j'ai une alliance qui tombe par terre? Marié, divorcé. Et un divorce, dis donc, c'était pas la mère, hein? Qui c'est qui a été marié, divorcé, et c'était pas un divorce facile? Mon grand-père. Voilà. Et il a pas supporté que sa femme le quitte ou quoi? C'est sa femme qui l'a quitté? C'est sa femme qui l'a quitté, mais comme il était corse, ils ont pas. Oui, il a pas supporté. Non, pour lui, c'était une humiliation. Et toi, ça t'a fait revivre un peu le truc, là. Quand le gars, il t'a quitté, ben, pour toi, c'est pareil. Alors, tu t'es dit, pour ton ego, je vais ressortir avec lui, je vais être gentil, comme ça, je vais ressortir avec lui, comme ça, c'est moi qui le jetterai, et ça sera le déshonneur sur ta famille. Moi, tu rigoles avec moi, tu vois, t'as plus envie de mourir avec moi. Arrête tes bêtises, d'accord? T'aimes bien les bruns, toi, hein? Ouais. Ouais, grand, costaud et tout. Allure sportive. Et t'es très jalouse, coquinette. C'est vraiment oui, je sais, t'es très possessive. Et quand t'es avec la personne, ça c'est à moi, allez voir ailleurs. Ah, d'accord? T'es très jalouse, très possessive. Tu voudrais te marier? C'est oui. Mais tu le connais pas. Tu vas tomber amoureuse. Oh, c'est vrai. Non, c'est faux. Ça existe? Ben, c'est existe. Tu auras peur un petit peu, tu te rappelleras. Mais faut pas que tu me le mettes le grappin dessus comme ça parce qu'il va étouffer ce gars-là. D'accord? Qui c'est qui est portugais? Ouais. Tu vois pas, tu sais pas. Ben, tu le retiendras. Il y a quelqu'un qui était portugais, quelqu'un qui est espagnol. Alors, portugais, espagnol, italien, j'ai eu trois races là. C'est qui? Autour de toi, ça te donne rien? Ben, tu me retiens ça. Toi, t'es française? Italienne, quand. Merci. Donc, italien, on sait, c'est toi. Mais espagnol et portugais, tu sais pas. Retiens-le. Un prénom qui se termine par être, comme Yvette, Henriette, Paulette, Ginette, Colette, Yvette. C'est qui? Et on m'amène en Corse. Là. Ton grand-père, il était corse, c'est ça? D'accord, m'amène en Corse. Ça donne rien par rapport à ton grand-père et tout? La famille? J'ai aucune famille là-bas que je connais. Pas, tu connais pas, mais tu sais pas alors? Non. D'accord. T'as des enfants toi? Oui. Deux? Oui. Tu en veux un troisième? J'ai des jumeaux. Hein? J'ai des jumeaux. Oui, mais tu vas faire un troisième. Si, j'espère. Je pense, ouais, mais avec le gars qui arrive, et le kit complet, là, là, tu comprendras par rapport. C'est ton grand-père qui vient, parce qu'il te voit désespéré en ce moment, il supporte pas de te voir comme ça. Hein. Tu m'entends? Il me dit, n'engueule pas trop fort. Ben oui, mais avec ses idées dans sa tête, on est d'accord? Vous avez fait un travail sur vous ou pas? D'accord, c'est pas fini, hein? Alors, c'est drôle parce que je vous vois vous relooker, vous voulez changer votre façon de vous habiller, la coupe de cheveux, des... hein? Ben là, tu vas le faire, hein, parce que je sais pas si c'est à cause du gars ou par rapport au gars, il y a un relooking qui arrive là, hein? D'accord? Les vêtements, la coupe de cheveux, la couleur, je te vois te faire belle, peut-être pour te préparer, c'est comme un rituel. Pour tout balayer ton passé et renouveler des choses, pas du passé qui reviennent, avoir des bonnes choses. C'est qui ces deux femmes proches de vous, ces deux amies, ces deux sœurs, c'est qui? Deux amies comme deux sœurs?
C'est pas possible. Deux amis comme deux sœurs. Ça vous parle pas, ça? J'ai deux amis d'enfance. Merci. Comme deux sœurs, je viens de te dire. Vous sortez des fois avec elle un peu et tout? Voilà, c'est bien. Sortez, allez au restaurant et tout ça. Allez à la mer, vous baignez un petit peu. Quoi. Vous habitez où? Vous voyez ici, à Nice? À Alpersole. C'est où ça? C'est un village? À Poissalon. C'est mieux. Cogne-sur-Loup. Cogne-sur-Loup. Une maison avec une piscine, c'est chez qui? Une piscine en dur? Ouais, en dur, ouais. Pas en plastique, hein. Tu plonges là-dedans, tu dégonfles, t'es mal, hein. En dur, ouais. Une belle piscine, je vois. C'est chez qui? Qui c'est qu'à ça? C'est des amis, c'est qui? Ah bah, un ex, Ouais, non, mais ça sera pour l'avenir, là, donc ça sera quelque chose de nouveau. Retiens-le, ça, hein, d'accord? Vous voulez travailler à votre compte, vous, ou pas? J'ai peur. Tu m'as pas répondu. Est-ce que tu veux travailler à ton compte? J'aimerais, mais j'ai déjà compris. Eh bien, moi, je te dis oui, mon petit. Pourquoi l'esthétique et la beauté, ça marque? T'aimes bien les belles choses, tout ce qui est esthétique et tout ça? Oui. Les produits pour la peau, le maquillage, oui. Machin. Tout ça, les trucs, t'adores ça, toi, hein, on est d'accord. Hein. Et tu voudrais créer quoi au niveau professionnel? Dans le flou total. Parce que là, pour l'instant, je vois une pièce, mais elle est vide. C'est tout blanc. Donc, tu vas créer quelque chose et tu travailleras ton compte. Et le gars, là, qui arrive, là, le brun, là, avec une origine, il va te motiver, lui. Toi aussi, tu vas le motiver, mais lui aussi, il va te motiver. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Et moi, je vois un troisième enfant, ma belle. T'as quel âge? 36. Hein? 36. Bon, ça va, le mot, il n'est pas cassé. Hein? Changement de vie. Et ça, ce message, comme tu as des idées bizarres dans ta tête, là, ces derniers temps, que ton grand-père, il n'en peut plus de te voir, tu vois ce que je veux dire? Lui, il a fait les gestes, il ne veut pas que tu fasses. Il me dit de te dire qu'il veille sur toi et que tu seras heureuse. Est-ce que tu as une question à poser? Tu pries pour ton grand-père, toi, dis donc? Ben oui. Pour mon papa plutôt. Mais tu pries pas pour ton grand-père? Elle peut le faire. Ah ben, tu vas le faire. C'est le père de ton père, ton grand-père? C'est le père de mon père. Ils sont ensemble. Quand tu pries pour papa, tu pries pour le grand-père aussi. C'est possible, ça? Oui. Tu peux le remercier, ton grand-père? Je le remercie. Merci. Est-ce que tu as une question à poser? Est-ce que du coup, parce que pour le coup, j'ai pas vu papa très tôt. Je l'ai quasiment pas connu. Et ouais. Je lui en ai beaucoup. Comme ton grand-père, tu l'as pas vraiment connu non plus. Hein. Pas du tout. Oui, mais lui, c'était un peu comme le déshonneur sur la famille. Tu vois, la femme qui part, ça c'est pas ça. Lui, c'était un macho. La femme, elle part, ça part pas une femme. C'est l'homme qui part, pas la femme, ça va pas. Non. Alors, donc, tu vois, c'était insupportable pour lui. Hein. Et il pensait, le pauvre, que sa femme, elle allait revenir. Ça me fait penser au film avec Rému, tu sais, la femme du boulanger. Quand le chat, il rentre, il dit, regarde là, la pomponnette et tout ça. Et en fait, il attend sa femme qu'elle retourne et elle n'est jamais retournée. Elle est décédée, cette grand-mère, maintenant? Il n'y a pas longtemps. Ouais, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Sa gueule est là-haut. Quand ils se sont retrouvés, tu m'as quitté pour un autre, et tatatatata. Ils ont mis des poissons. Mais toi, t'inquiète pas, même si ton grand-père, tu ne le connais pas, lui, il te connaît. Et pour qu'il vienne aujourd'hui, tu as bien compris pourquoi. On te regarde de l'autre côté. Si tu crois que tu es seule, tu ne l'es pas. Hein. Donc, les petites idées dans la tête et tout. On est d'accord. Le relooking, les belles robes, les machins, prépare-toi là pour l'été qui arrive. Voilà ce qu'on m'a dit de te dire. Allez. Merci. Et l'autre, c'est fini. Allez. Un grand frère. Il a été courageux, il s'est sauté la tête et tout ça. Là, je suis par là, il y a quelqu'un qui a perdu un accident de voiture. Puis alors, j'entends la peau comme ça, j'entends tout le bruit de la carrosserie. Deuxième rangée, oui. Jeune, beau, un beau brun. Et beau le garçon. Un sourire, on dirait ultra bright, des dents blanches et tout ça. Et beau. Hein. Il était tout seul dans la voiture. Non, mais c'était renversé. Par une voiture. Il était sur le trottoir? En fait, il était avec mon fils, il sortait le soir. Il marchait sur le trottoir? Ouais, et la voiture, elle est montée sur le trottoir et elle a tapé. Je ne sais pas vraiment. Mais si. Il s'appelle comment? Il s'est fait écraser. Michel.
Il s'était écrasé. Oui. Ouais, c'est ça. Mais j'entends le bruit de la carrosserie, le truc horrible. J'entends, ça fait. Et ils étaient deux. C'était lui et mon fils. Mais ton fils, il a rien eu? Non, il s'en veut tout. Ah non. Mais c'est pas de sa faute, hein. Parce qu'ils étaient très. Fusionnels tous les deux. Et depuis, ton fils, il est traumatisé par rapport à cette mort-là. Il vit pas, il est triste, il fait toujours la tête. C'est ma faute, mais c'est pas lui qui l'a tué, son cousin. Il adorait son cousin comme un frère. Oui. Ils étaient tout le temps, ils aimaient exactement les mêmes choses tous les deux. Les voitures, les freins, les machins, tout, comme deux frères. Exactement. Extraordinaire. On donne ça. Les parents de ce jeune homme... Ils sont un peu déboussolés, enfin. C'est pas déboussolé, mais ils sont pas... Mais il veut pas que ses parents ils divorcent. Et il me dit, Didier, qui c'est Michael? C'est lui. Qui est lui? Le conducteur? Celui qui est décédé. D'accord, c'est pas ton fils? Non. Et José, c'est qui José? Emmanuel, c'est qui? C'est Michael, lui. José, Manuel, Maria, Christina. Et Maria, je sais pas trop quoi, un prénom composé là. Maria, Conchetta, Maria, Conception. Maria, Maria, c'est moi. Maria, c'est moi. Daniel, c'est mon mari. D'accord. José, c'est qui? José, Si. Et Conception, c'est votre mère. Et Conception, c'est qui? C'est ma mère. Voilà. C'est portugais, ça? Oui, oui. Voilà. Qui c'est qui fait des beignets comme ça, l'amoureux et tout? C'est bon, ça? C'est peut-être maman. Ça baigne bien dans l'huile, hein. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'huile dans les supermarchés, donc attention. Faut faire attention à maman qui a fait des économies avec l'huile, hein. Parce qu'elle fait des bons beignets, maman, hein. On est d'accord? Je faisais. Voilà. Mais elle faisait très très bien la cuisine. Ta oui. mère, elle prenait deux, trois trucs, rien du tout. Elle te faisait un plat. Elle était comme ça, douée, cette femme extraordinaire. Elle aimait bien... Qui c'est qui aimait bien les patates? Les pommes de terre? Mon père. Toujours il fallait des patates le midi, des patates le soir. C'est ça. Patates le midi, patates le soir. C'est ça. C'est drôle. Tous les plats, il fallait que la patate elle soit là. Hein. S'il n'y avait pas la patate, ça n'allait pas. Hein. Et d'accord? Qui c'est Roger? Je vois pas. Et Cristiano? Cristiano, c'est mon neveu. Ton neveu? C'est le cousin de Et comment il le vit que le fait que son frère il est mort écrasé de... Ça s'est passé au Portugal, ça? Oui. Parce que c'est pas en France que ça s'est passé, non, ça s'est passé au Portugal. Voilà, c'est ça. Dans les vacances. Ah, d'accord. Pas loin, il y avait la mer. C'est dans les terres, mais à quelques kilomètres, oui, il y a la mer. 40 km, 35 km. Pas loin, il y a la mer. C'était pas au bord de l'eau, non. Mais pas loin, il y a la mer. Oui, tout à fait. Qui c'est qui portait le pot comme ça sur la tête? Regarde, c'est ça. Le pot comme ça sur la tête. On va chercher de l'eau. Ma grand-mère, ma tante. Et je chante des chansons. Alors c'est ma tante. Je marche. Et le pot comme ça sur la tête avec de l'eau. C'est ma tante. C'est ta tante. Oui. Drôle. Oui, on rigolait bien avec. Et qui c'est qui, pas plutôt arrivé dans la maison, qui jetait des chaussures comme ça? On jette les savates, on marche pieds nus dans la maison. Marche, c'est propre. Hein. Tu vois bien. Mais qui c'est qui jetait les... J'entends, les chaussures, comme si tu ne dois pas rentrer dans la maison avec les chaussures. Ça, c'est pour penser à mon fils. Il donne des baskets. Et ouais, qui jette comme ça les. Et qui fait comme ça, avec l'autre qui s'enlève la chaussure, et l'autre qui jette comme ça. C'est qui ramasse? Hein, vas-y. Eh ouais. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est bien qu'il arrête de jeter. Hein. On le voit là-haut. Hein. José, alors tu sais pas qui c'est. Emmanuel, c'est ton mari? Et Cristiano, c'est qui Cristiano? Cristiano, c'est mon neveu. C'est donc pas c'est le frère, c'était pas le frère de Michael. C'est de la famille, Michael. Oui, d'accord. Vous êtes une grande femme. Peut-être que c'est Christophe. Christophe, c'est son frère. Non, Cristiano. Alors, c'est pas Christophe, Cristiano. Et donc, Maria, alors. Et un prénom avec un L, comme ça, à l'ancienne. C'est mon fils Lionel. Lionel, d'accord. Et Lucinda, c'est qui? Luciana. Lucinda, me dit. C'est non, Lucinda, c'est qui?
Elle essaie de me détourner les prénoms. Pardon, excuse-moi de te déranger. Lucinda, c'est pas. Et Christophe, c'est pas Cristiano. Oui. Hein. Lucinda. Tu te rappelleras de ça. C'est pas dans la famille de ton mari. Bon, mon mari a une. Lucinda qui est amie de sa soeur. Merci. Et venez manger à la maison et tout ça et tout. Qui c'est qui était pêcheur et chasseur là-bas au Portugal, pas ici. Mon père, il avait les fusils pour chasser. La chasse, quelle est la chasse pour chasser, voilà. Puis maman, elle devait plumer. Je ne sais pas s'il le chassait ou pas. Ah ben si, ah ben c'est la chasse. Et la pêche, qui c'est qu'elle a la pêche en pleine mer et qu'elle est à la pêche. Mon arrière-grand-père. Voilà, et qui a ramené le poisson frais, tout ça, tout ça. On n'avait pas beaucoup d'argent et on était heureux. Oui. Regarde ce qu'ils me disent. Oui. Vous êtes toutes des frères et sœurs, là, c'est ça, la famille. Ma sœur. Et les deux nièces et les deux filles, là, c'est ça? Ça, c'est ta fille et ça, c'est ta fille, c'est ça? Voilà, parce que j'entends les deux sœurs et les deux cousines, j'entends. C'est ça. Regarde, ils sont venus pour vous tous, là. Réveillez-vous, là, parce que... Excusez-moi de vous déranger, hein. D'accord, vous ne connaissez pas bien. Alors... Qu'est-ce qu'il a Manu en ce moment? Qu'est-ce qu'il a ton mari en ce moment? C'est par rapport à son fils. Qu'est-ce qu'il a pas? Parce qu'il voit son fils qui n'est pas bien du tout, il ne sait pas quoi faire, c'est ça? Oui. Il se sent un peu comme si les bras lui tombent et il ne sait pas quoi faire. Il prie Manu? Il prie Jésus? Dis-lui que les prières par rapport à Jésus, elles sont entendues. Jésus lui-même, c'est son ami. Transmet ce message à Manu. Que toutes ses prières, elles sont entendues. On s'occupe de son fils, on est dit. Il va partir au Portugal. En fait, il voulait divorcer. Il a une petite fille. Il s'est séparé parce qu'ils ne sont pas mariés. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il veut re-se-mettre avec elle. Il veut partir au Portugal. Avec elle, il veut vous. Il veut vous. Et elle, veut... elle nous éloigne. Elle t'éloigne ton fils de vous, c'est ça? Et vous êtes très famille, vous voulez avoir la fille, le fils, le machin. Le jeu de cette famille. Le tout, c'est que. On sache qu'il soit heureux. Mais s'il est heureux avec elle? Non. Tu l'aimes pas ta belle-fille? Non, c'est pas que je l'aime pas. Tu l'aimes pas ta belle-fille? Oui, je l'aime pas. Merci. Parce qu'elle ne fait pas. Elle fait rien pour se faire aimer non plus. Ah, ouais. Ah. Et elle est pas chère. Son fils, il est gentil. Ouais, gentil. C'est une femme. C'est lui qui a un petit bouc comme ça. Je crois qu'il est plus beau, mais il a un bouc comme ça. Pour faire macho un peu, non? C'est qui porte le bouc comme ça? Ton mari. Ton mari. Et ton fils, il n'a jamais eu un petit bouc? Oui, il arrive aussi. Et le rase, il le remet. Il y a des poils, il se dépoile. Il y a des poils, il se rase. Non, mais c'est drôle, ton fils. Mais ton fils, il a été traumatisé. Il a l'impression que s'il retourne là-bas, au Portugal, pas loin de l'endroit où son cousin a été tué, ben, qu'il pourra être mieux ou quelque chose comme ça. Il s'est culpabilisé, ton fils. Il avait la mort dans l'âme, ton fils. Mon Dieu, mon Dieu. Ça fait 20 ans. Ben, je sais. Qui c'est qui boit? Pas de l'eau. Il boit beaucoup. Pardon. On essaye qu'il... Je bois pour oublier, j'entends. Il a quel âge, ton fils? Il fait hier 37 ans. Mais il n'est pas marié avec la fille. Tu me laisses, hein, t'es bien. Il y a une petite fille. Oui. Quel âge elle a, la petite fille? 7 ans. Ah, elle est belle. Okay. C'est une vraie pipelette, elle n'a pas sa langue. Tout à fait. Tais-toi. Elle est coquette, la petite. Hein. Qui c'est qui lui met des chouchous comme ça dans les cheveux? C'est sa mère, vous. Elle t'aime, là, sa grand-mère, c'est important. Hein. Oui, j'aime bien. Ben oui. Maria, tu es importante pour elle, hein. Et conception. Conception, c'est ta mère. Ta mère, elle est très croyante? Oui. Très, très, très croyante. Dans le sens. Elle est décédée, ta maman? Mais elle est très haute, parce qu'elle était très, très, très croyante, ta mère. J'avais 12 ans. Toute sa vie, elle a aidé les gens, elle faisait à manger, elle faisait le ménage, elle faisait les courses. Mon Dieu, tout ce qu'elle faisait, cette femme. Oui. Je suis fatiguée de la suivre, ta mère. Je m'excuse, hein, parce qu'elle avait une énergie, excuse-moi, elle s'écoutait pas. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé, c'est un grand respect que tu dois à cette dame. Parce que c'était une grande dame, ta maman. Moi, je pleure. Ben oui, on me donne ça. Pourquoi tu pleures?
ta mère, elle me dit, pardon, excuse-moi, ça va plus vite. Alors, parce que je voudrais savoir s'il va rester longtemps. Au Portugal? Oui. Ben, pour l'instant, il va essayer d'aller là-bas. Il va être heureux, c'est ça que... Oui, je pense qu'il va être heureux. Avec elle? Avec elle, il essaie de se redonner parce qu'il ne veut pas par rapport à sa fille. Il veut donner le meilleur pour sa fille, tu comprends? Parce qu'il aime beaucoup sa fille, ton fils. Oui, mais les deux engueulades et tout le temps, tous les jours. Ils ne restent pas ensemble, mais il fait des tentatives par rapport à son enfant parce qu'il ne veut pas que sa fille souffre, tu comprends? D'accord. Il faut le comprendre, ça. Je le comprends. Par rapport à ça, il adore sa fille. Oui. Hein? Il ne fera pas toute sa vie avec cette femme-là, ça c'est clair et net. C'est lui qui prend la décision. Mais c'est lui qui doit prendre la décision, c'est pas toi. Oui, d'accord. Il doit respecter sa décision. Voilà. Tout, c'est qu'il soit heureux, c'est ça. Voilà. Et ça, tu sais, qui c'est qui me dit tout ça? T'as beaucoup de chagrin. C'est le fameux Michael qui est mort écrasé. Il dit, regarde la vie comment elle est. Parce que lui, il avait la joie de vivre, il était beau, il était jeune, il avait tout l'avenir qui était devant. Et il s'est fait écraser, et il n'a rien compris ce qui lui arrivait. En plus, il n'a même pas vu la voiture arriver parce que c'est arrivé par derrière. Horrible. Le fait, c'est que, comme vous nous avez dit, on est vraie famille. Oui. Et donc, lui, il ne voit plus les cousins, il ne voit plus les cousines. Je viens de dire que ton fils, il a été traumatisé et qu'il doit retourner là-bas pour régler quelque chose là-bas. D'accord. Sois patiente avec ton fils. Okay. D'accord. C'est ton fils. Traumatise du survivant. Voilà, c'est ça, oui. Parce qu'il a la cupidité de... Je veux dire, moi je suis vivant, et l'autre il est mort. C'est ça, pourquoi on n'est pas morts tous les deux? Ou pourquoi on nous a pas quittés tous les deux? Je ne comprends pas. C'est ce que je disais tout le temps. Et son cousin, il veut qu'il retourne là-bas. Et laisse-le retourner avec cette femme. Peut-être que là-bas, il connaîtra quelqu'un d'autre. Laisse faire des choses. Et il ne va pas t'oublier, ton fils n'est pas peur. On dirait qu'il part à des milliers de kilomètres. T'es pas loin, hein? Non. D'accord. Bon, ton mari, j'adore, il beaucoup. Il porte la médaille de Jésus, ou il croit en toi? Parce que lui, il n'a pas honte de monde. En or? Oui. Oui, en or. Ah, il est fier de moi. Ah oui, oui, oui. Qui c'est qui fait des chantiers comme ça? C'est lui? Il a fait, maintenant il ne fait plus parce qu'il a un accident de travail. D'accord. Mais il fait travailler dans le bâtiment, ton mari? Il a travaillé dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. Il a des mains en or, ton mari. Pas parce qu'il est portugais, hein, je peux le dire. Quand il fait, il fait bien. Il termine bien, il fait bien les choses. Et qui c'est qui était caroleur? C'est mon frère. Mais lui, il fait que du carrelage. Hein? Lui, sa spécialité, c'est le carrelage, non? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Mais c'est... Oui, mais il est très très fort dans le carrelage quand il porte des car... quand il pose des carrelages et tout, c'est très très bien à ton frère. D'accord? Non, ça, Maria. T'avais une grand-mère qui s'appelait Maria? Oui. Moi aussi, je suis là et je t'embrasse. Je vous embrasse. Elle fait ici. Comme ça, elle fait. Mais la main comme ça, droite, comme l'air de Dieu. Elle m'a pas fait comme ça. Elle m'a fait comme ça, la main droite. C'est-à-dire pour, ça toute la, pour toutes les quatre. Vous avez une question à poser, madame? Juste une question, parce que on se sent un peu, moi et ma soeur, on travaille dans une famille aisée, riche. Oui. Hein, et elle va venir maintenant. Qu'est-ce qui va venir maintenant? La patronne. Ah oui. Elle n'est pas très commode. Elle n'est pas commode du tout. Et si on va bien se... Détendre à l'avance? Ouais. Oui, parce que elle est perfectionniste, il faut... Tu ne fais pas comme ça, mais elle est comme ça. Elle gueule, hein? Elle gueule. Saint-Joseph, c'est le patron du travail. Demande à Saint-Joseph de vous aider toutes les deux. D'accord. Très autoritaire, très exigeant, très pas de... Et qui regarde l'heure, hein? Ouais. Elle regarde tout ce que vous faites, les horaires et tout ça. Très, très aiguë. Le mari, il est mieux, non? Ah, le mari, il est super. Mais elle... Et tout jalouse des fois des choses qu'on fait quand on va à son mari. On fait pour la bienveillance. Et... Oui. Lui, il est super, mais elle... Elle est comme elle est. Et c'est elle qui dirige la moyenne. Hein. Elle perd pas le nord, t'inquiète pas. Hein. Ah, bien compris. Et c'était quoi la question? C'était quoi la question si ça va? C'était ça, si ça va bien se passer avec elle. Ben oui, mais tu sais qu'elle est très exigeante, très. Elle rigole pas. Hein. Ouais. Je te dis, lui, il est mieux que elle. Si tu as des choses à demander, c'est pas elle. Demande à lui, ça passe. C'est mieux. D'accord? D'accord. Ça fait longtemps que vous travaillez pour cette dame. Présent. Pourquoi la région de Monaco?
Oui, c'est à Villefranche, à côté de Monaco. D'accord. C'est une grosse propriété, c'est ça. Il y a des chiens et tout ça. Elle a même toujours une petite chienne. Voilà, il y a sa chienne avec elle. Voilà. Et puis elle regarde tout, si vous ne voulez pas les bijoux, si vous ne faites pas les... Oh, oh, c'est spécial. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ou alors il faut partir et changer pas trop. Ici, là, j'ai mon âge. Hein? Ici, là, mon âge. Non, tu ne le feras pas. Mais il faut se contenir pour faire du ça. Ouais, ouais. Tu sais qu'elle n'est pas facile à vivre, c'est tout, c'est comme ça. Elle ne changera pas. Hein. De plus en plus exigeante. Chiante. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mauvaise personne. Hein. Ouais. C'est comme ça. Et très, très, très hautaine, très. Très j'ai de l'argent et avec l'argent, je peux tout faire. Quoi. Elle n'a pas compris, c'est comme ça. Comprendra là-haut. Ouais. Allez, laisse ton fils aller au Portugal. Il va se rapprocher par rapport. Il a des choses à comprendre pour le cousin qui est mort écrasé. Et par rapport à la femme avec qui il est, il va faire une tentative. Mais je ne pense pas qu'ils feront leur vie ensemble. Hein. Voilà. Merci, de rien. Merci. Allez, et il y a un des deux là qui doit passer un concours, un examen, un diplôme, quelque chose là. Il y a un diplôme, il y a quelque chose à passer, un concours, un examen. Elle a fait la formation des maisons. Et tu l'as remporté le diplôme, le machin? On parle d'un diplôme, un papier, quelque chose. J'avais un diplôme, oui. Voilà, et tu l'as obtenu ce diplôme? Oui, oui. Voilà, mais c'est très bien. Et le permis de conduire, Karim, c'est pour qui? C'est Cristiano. Voilà. Il va l'avoir. Lui, il va tellement vite qu'il irait. Déjà la voiture sans le permis. Allez. Voilà. Merci. Embrassez-le. Merci. Et j'ai un tout petit aussi qui joue très très bien au football. C'est qui celui-là? C'est son petit-fils. Et toujours il vient, il fait des cas, il est canal celui-là. Je t'aime. Non, tu n'auras pas de ça. Mais mamie, je t'aime. Ah, ben, tu apprends, allez, maintenant. Il vous a, vous. Hein. Il vous a endormi le cerveau, très direct. Allez, c'est pas vrai, madame? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et vous craquez, hein. Vous ne savez pas dire non. Non. Je peux poser une question? Oui, une question. Qu'est-ce qui va réussir là aussi? Oh oui. Mais on dirait que c'est le bon Dieu en personne, ton petit. Qu'est-ce que tu l'aimes, ce petit, hein? Il est à distance. Mais... Ah, mais tu l'aimes, hein, dans ton cœur, t'inquiète pas, il n'est pas à distance. Hein. Allez. Merci beaucoup. Si toutes les grand-mères, elles pouvaient aimer comme ça serait bien. Hein. Ah oui. Allez. Je suis au fond, là-bas, je suis avec une personne qui a eu une série de... 4 personnes qui sont décédées. En 2-3 ans de temps, 4 personnes qui sont décédées. Je suis vers le fond. Oui, à droite. Voilà. Oui, vous levez, merci. Bonjour. Bonjour, c'est qui pour vous? Mais c'est qui les personnes? 4 personnes décédées en peu de temps. J'ai eu un maison. Oui. Mon frère. Votre frère? Non, mon beau-frère. Votre beau-frère. En premier, c'était qui? Il y a eu des cousins, les oncles, la... Voilà, t'as une série de décès. Ouais, ouais. Voilà. C'est que des hommes? Non, j'ai une femme. Une femme. Et c'était qui cette femme pour vous? C'était mon amie d'enfance. D'accord. La belle est là, elle vous protège. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, elle. Ça fait combien de temps? 3 ans. Voilà. C'était un peu comme votre sœur, cette dame-là? À l'époque, oui, après on s'est terminé. Voilà, vous étiez assez proches. Ouais. Vous vous étiez disputés? Non. C'est des choses de la vie. Oui, mais vous vous étiez un peu séparés ou disputés? Réfléchissez. Parce qu'elle vient pour me dire, de vous dire qu'elle demande pardon. Est-ce que vous comprenez? Non. Vous êtes séparés, chacun a fait sa route après. T'as un micro, t'es pas là. Oui, mais on me le donne, ça. Elle vous demande pardon, vous devez comprendre. N'hurle pas, chouchou. T'as un micro. Eh oui, ça date, hein, ça. Ça date peut-être de 3 ou 5 ans en arrière par rapport à ça. Ça fait très très longtemps que je la connais. Voilà. Mais vous demande pardon peut-être, je ne sais pas, c'est la vie qui vous a séparé, vous avez fait votre vie. Vous êtes mariée, elle aussi, tout ça, c'est ça? Elle, non, je crois qu'elle n'était pas mariée. Elle n'était pas heureuse? Non. Non. Et elle vous demande pardon, vous devez comprendre. Cherchez, on me le donne. Hein. Vous les déménagez, madame, vous? Non. Ou des cartons? Non. Mais vous ne resterez pas là où vous êtes, vous habitez où? Dans la région, dans un appartement.
Dans un village ? Oui. D'accord. Et vous avez acheté une maison, c'est ça ? Oui. Vous l'avez fait construire, cette maison ? Non, on l'a rénovée. D'accord. Ben, une fois qu'elle sera complètement terminée, tout, vous revendrez et vous partirez ailleurs dans une autre maison, madame. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette maison ? 6-7 ans. Voilà. Vous ne va pas terminer votre vie dans cette maison, c'est pas vrai. Vous aurez une autre maison, ne vous inquiétez pas, vous manquerez de rien. Comme ça. Mais c'est par rapport à tous ces décès que vous avez eus et tout ça. Vous avez perdu un oncle aussi ? Les oncles de mon mari. D'accord. Et votre mari, il aimait beaucoup son tonton ? Il y en a un en particulier. Oui. Avec qui ils étaient fusionnels. Ils parlaient de tout, des fois ils parlaient pendant des heures. Ils ont travaillé ensemble. Voilà, ils s'expliquaient, il y avait plein de choses. Pour lui, c'était un peu comme une muse ou comme un. Vous voyez ce que je veux dire ? Un exemple, cet oncle. Comme il était parti de rien, il avait réussi, ben, votre mari, il marche sur les pas de cet homme-là, il veut faire pareil que lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ben, ça continue de l'autre côté, il me dit de vous le dire. De transmettre ce message à votre mari, parce qu'il n'est pas là, votre mari. Vous êtes d'accord ? Il n'y croit pas tout ça, votre mari ? Si, mais il reste un peu grand. Ouais, moi je pense qu'il n'y croit pas, mais il va me dire qu'est-ce que tu as dit, la fille. J'y crois pas, mais qu'est-ce que tu as dit ? Pardon ? Je pense que ça lui fait un peu plus peur que. Oui, 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 mais vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Vous lui direz que son oncle, il marche dans les pas de son oncle et que son oncle, il s'occupe de lui pour qu'il réussisse. C'est un battant, votre mari, non ? Oui. Voilà, il va réussir. Il a des soucis en ce moment, votre mari, madame ? Je ne sais pas. Au niveau professionnel ? Il ne vous en parle pas ? Non, il n'y a pas de soucis. Ah ben moi, je pense que si, mais il ne vous en parle pas. La peur de ne pas arriver, peur de ne pas être à la hauteur. Il travaille à son compte ? Il travaille à son compte. Non, là, il travaille... Pour un patron ? Ouais, et moi je vois qu'il changera, il se remettra à son compte, votre mari. Ouais. C'est l'oncle qui me le dit, d'accord ? C'est celui qui a aidé à former. Ben oui. Et il retravaillera à son compte. Je pense que pendant une période, il a été obligé de tout déposer et tout ça. Je pense qu'il se remettra à son compte, mais que là, quand il s'était mis à son compte, il était trop jeune pour moi. Non, quel âge il avait ? Manqué d'expérience, de maturité, tout ça. Vous ne savez pas. Et là, l'oncle, il va l'aider, d'accord ? La maison dans laquelle vous êtes, vous n'y resterez pas. Vous avez des personnes malades autour de vous, madame ? J'ai une personne qui a toujours des problèmes avec le ventre, les intestins, le ventre, c'est qui ça ? Ma fille ? Qui a mal ? Oui, qui a mal, qui se plaint toujours de son ventre. Il faut consulter, madame. Hein ? Ouais. Ben oui, il faut aller voir le médecin. Faire des radios et tout ce qui se passe, c'est comme ça. Qui c'est qui vomit beaucoup comme ça aussi ? Vous côtoyez quelqu'un qui mangeait, qui se faisait vomir ? Ça s'appelle de la boulimie ou de l'anorexie. À ce point-là, non. Ah si, madame. Quelqu'un qui se met les doigts dans la bouche, c'est pour se faire vomir. C'est la boulimie, anorexie. Anorexie. Pour pas grossir. Ouais, mais pas dans mon entourage proche. Ah si ? Si, madame. Je suis désolée. Oui. Parce qu'on ne veut pas grossir. Écoutez bien ce que je vous dis. D'accord ? Alors, qui c'est Patricia ? Vous la connaissez pas ? Sans plus, vous la voyez dans les fêtes des familles, des choses. D'accord. Et qui c'est qui est gitan ? Autour de vous, vos repas. Gitan forain, on me dit en plus. Eh bien, retenez-le, ça c'est peut-être c'est par rapport à votre mari. Hein. D'accord ? Alors, on me donne par rapport à tous ces décès, ça vous a beaucoup marqué. Mais ce n'était pas de votre famille, les décès, c'est la famille de votre mari. Oui, principalement la famille de mon mari. Oui, parce qu'on me dit, ce n'est pas ta famille à toi, c'est la famille de ton mari. Non. Parce que c'est comme si c'était à lui qu'ils auraient aimé parler, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est dommage, hein, mais au travers de toi, il te parle, d'accord, pour transmettre. Que l'oncle va l'aider, parce que ton mari, je pense qu'il est bien dans le travail, mais que... Il ne voudrait pas faire ça toute sa vie. Il a quel âge votre mari, madame ? Bientôt 50. Voilà. Il voudrait faire autre chose après par la suite. En retraite, par exemple, il fera autre chose. Ouais, c'est-à-dire à la retraite, il ne restera pas sans travailler. Ouais, ça sera un peu comme le monsieur. Il sera toujours actif, il aura toujours besoin de bosser. Tout. Vous comprenez, madame ? C'est comme il s'est pas resté sans rien faire. D'accord ?
la maison dans laquelle vous y resterez pas. Vous regarderez cette jeune femme qui s'est fait anorexie, boulimie, qui faisait pour maigrir et tout ça. Pour votre fille, il faut l'amener voir un médecin pour les intestins, d'accord, hein? Mange pas trop vite, votre fille. Pas spécialement. Vous savez, quand on mange vite, vite, par rapport à la digestion, c'est pas terrible. Ouais, mais je pense que ça peut être de digestion. Oui, c'est ça. Déjà dit, ouais. Ben oui, mais j'ai un problème digestif et tout, il faut consulter. D'accord. C'est pas grave, mais il faut consulter. Okay. Vous avez deux ou trois enfants? Deux. Deux. Vous n'avez pas fait une fausse couche? Non. Ah bon? Ça, c'est bizarre. C'est deux filles que vous avez? Non. Une fille et un garçon. Mais normalement, vous auriez dû avoir deux filles et un garçon, madame. Ah oui. Ben ouais, donc ça va. Pas d'IVG, pas de fausse couche. Ben, faites attention. Ben là, la formation, c'est fini. Hein, oui. Vous avez. Alors, votre fils, il est grand par contre? Oui. Quel âge il a? 21. Voilà, c'est ça. Il est toujours avec vous? Oui. Et puis, votre fils et votre fille, il est avec vous? Oui. On est d'accord, vous vivez en famille, c'est ce qu'on veut. Et lui, il voudrait partir, il voudrait prendre un appart, un studio, quelque chose? Pas dans l'immédiat, non. Il veut d'abord mettre sur le côté. Dans moins de 5 ans, il partira, lui. Hein? Oui. Ouais. Vous n'avez pas trop envie, mais c'est comme ça. Ben, je c'est sais. La vie, ben oui. C'est la vie, il grandit. Hein? Il fréquente ou pas? Oui. Elle vient à la maison? Oui, pas trop. Pourquoi vous ne l'aimez pas trop, vous aussi? Non, non, je n'ai pas de soucis, mais c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup. Ouais. C'est elle qui ne veut pas venir? Je ne sais pas. Vous avez un chien, madame? Deux. Un petit et un gros? Deux pour vous. Et le petit, alors il a qui? J'ai eu un petit chien. Qui est décédé? Oui, mais il y a 40 ans. Donc. Qu'est-ce que c'était comme chien? Non, d'accord. Voilà, mais le petit chien, il est souvent avec vous. Oui. Et j'en ai un qui est gros, il a un gros ventre, c'est qui? C'est ou vivant? Vivant. C'est ma chienne. Elle est trop marrante. Qu'est-ce qu'elle aime bien? Glouton. Hein. Vous avez perdu un berger allemand, madame? Non, un labrador. Non, il y a un berger allemand décédé quand vous étiez jeune qui est là. Qui avait un berger allemand dans votre famille, madame? Dans ma famille, non, et dans celle de mon mari, oui. Ah, parce que j'ai un berger allemand. Le labrador, il était blond? Il était blond, oui. Oui, c'est ça, blond, c'est ça. Ouais, le chien il vient, mais j'ai le berger allemand. Le berger allemand il est décédé bien avant le labrador, c'est ce qu'on me donne. C'est exact? Probablement. Oui. C'est vieux cette histoire. Hein? Et c'est un chien qui a marqué la vie de votre mari en tout cas. Non, pas. Donc bah, par rapport à tous vos défauts, vous priez pour vos morts? Pas trop. Ah ouais, faudrait le chien. Je pense que je... De toute façon, c'est pas les vôtres, c'est celui de votre mari et il faudrait qu'il le fasse. Il prie pas pour ses morts, lui. Hein? Par contre, il y pense. Oui. Il y pense beaucoup. En vieillissant, il sera plus spirituel, votre mari, madame. Ouais. Vous vous rappellerez de ça? Bonjour. Vous tirez les cartes un peu, vous? Non. C'est qui vous les tire, alors? Personne. Ah ben, vous vous rappellerez de ça, quelqu'un qui tire... Vous n'avez pas une amie qui tire les cartes autour une de vous? Une amie de ma fille, oui. Merci. Elle ne vous les fait pas, des fois, un peu? Ah, non, non. Eh ben, vous vous rappellerez de ça. Ouais. Avez-vous une question à poser? Il faut consulter pour le ventre et tout ça, hein, d'accord, le docteur? Pour la question maladie professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre vie professionnelle? Comment ça va changer? Pour l'instant, ça ne change pas. Hein. Pour l'instant, ça ne change pas. Non, madame. C'est un peu bloqué, c'est au ralenti même, je dirais. Je suis désolée, madame. Par la suite, ça va aller mieux, mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Très bien. Ah non, cette année, ce n'est pas une année terrible pour vous, madame. Oui. C'est comme ça. Il faut prendre son mal à patience. Et une fois que la maison, elle n'est pas complètement terminée, la maison. Elle est toujours en train de se... Voilà. Une fois qu'elle sera terminée, vous vendrez cette maison et vous racheterez une autre. Mais là, vache. Et c'est comme ça. Allez, de rien. Beaucoup d'hommes. Il n'y a que l'ami pour vous qui vient par rapport à vous et qui vous a demandé pardon. Mais sinon, tous les hommes, c'est par rapport à votre mari. Hein. Ma grand-mère, non, je ne les ai pas. J'ai que cette amie. Donc, il faudrait peut-être que vous priez pour eux, la grand-mère, la tante et tout ça, d'accord? Et que votre mari n'oublie pas les défunts dans lesquels je viens de vous parler, d'accord? Okay, merci. Très important. Là, je t'ai parlé sur le côté gauche, tu avais quelqu'un qui a côtoyé un cordonnier, quelqu'un qui répare des chaussures. Vous savez, un cordonnier qui répare des chaussures minutes. J'entends, bonjour madame, alors attendez, pop, je vous retourne, je prends le sachet, le numéro, et je donne. Qui c'est qui a côtoyé quelqu'un qui était cordonnier, lui, pas tout seul.
tombé ma chaussée. Ah, il y a quelqu'un qui l'a la main. Bonjour. Et j'avais. Est-ce que la religion arménienne, ça marque pour vous, madame? Oui. Voilà. Parce que j'avais les Arméniens, j'avais Arménien orthodoxe. Oui. C'est qui est Arménien? Du côté de mon père. Voilà. Et qui était cordonnier, madame? Mon père. Voilà. Il était arménien, vos pères aussi? Pas du tout. Il était quoi? Galicien, espagnol. Ah, espagnol. Et c'était quelqu'un qui. Qui était très méticuleux dans son travail et tout ça, qui s'appliquait. Il y a longtemps qu'il est décédé. Il y a à peu près 5 ans. Voilà, il est bien. Hein? D'accord. Vous avez toujours votre mari, madame? Je suis divorcée de lui depuis 10 ans. Je m'entendais très très bien avec mon beau-père. Et avec ma voilà. Mère. Votre beau-père, il est plutôt de votre côté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il en veut beaucoup à son fils. Est-ce que vous comprenez? Oui. De vous avoir fait tout ce qu'il vous a fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'étais comme ça, je suis. On est d'accord? Parce qu'il me dit de vous dire qu'il vous aimait comme sa fille. C'est ça. On est d'accord? Oui. Et qu'il est de votre côté, pas du côté de son fils. Mais parce qu'il me dit, vous savez ce qu'il me dit, votre beau-père, le cordonnier? Il me dit, chez nous, pas de divorce. C'est ça. Il avait un caractère, hein, monsieur. Hein? Oui. Et il me dit qu'il était parti de rien, qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé, comme ça. Et regarde ce qu'il me fait, le geste, comme ça, à la sueur du front, pour avoir les choses. Exact. C'est exact, il est parti d'Espagne en France. Voilà. Sous le régime de Franco, exactement. Pendant la guerre ou après la guerre, pendant, une sorte de guerre. Oui, il me dit, on est parti, on avait une main devant, une main derrière, exactement. On n'avait rien. C'est ça. Et tout recommencer à zéro. C'est pas évident, surtout quand on ne parle pas la langue. Que... Ben non, c'est pas évident. Non seulement ils ne parlaient pas la langue, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas un sou, pas d'argent. Ils n'avaient rien du tout, quoi. Oui. Bah, il pouvait pas descendre plus bas. Exactement, il pouvait que monter. Exactement. Mais comme il dit, à la sueur du front, ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir réussir et tout ça. Oui. Alors là, il me met des cartables. Il y avait quelqu'un qui était maîtresse d'école, professeur ou quelque chose comme ça. Mon ex, Marie, était professeur de Gaëta. Merci. Là, il me met des cartables en cuir et tout. Je dis, oui, j'ai défilé une cartable. Comprendre, hein? Pour vous montrer qu'il y avait quelqu'un qui avait... Et... Ah, d'accord. Parce que lui, c'est un autodidacte, votre beau-père. Oui, il n'avait pas fait des études. Non. Et comme de l'air de dire, tu vois, mon fils, lui, il avait le cartable, il a fait des études, c'était quelqu'un de bien. Il était très fier de ses fils. Voilà. Quelqu'un de bien, il avait fait des études, j'avais payé les études et machin. Oui. Et pour en arriver à ça, voilà, c'est ça qu'il me dit, le beau-père. Pourquoi la ville de Rosas, en Espagne? Rosas, c'est plus de mon côté, pas du sien, il était galicien. D'accord, mais pourquoi Rosas? C'est la frontière, hein, c'est pas loin la frontière. Non, mais je suis. Vous êtes de Rosas? De Gandia, Alicante. Voilà, Alicante, la Costa Blanca. Exactement. Et qui a vécu à Rosas, madame? Mon grand-père. Merci. Mais pas mon beau-père. Ah non, mais il veut savoir. Oh. On m'emmène à Rosas, il m'amène à Rosas, il m'amène en Espagne, je traverse la mer. Oh. Et qui c'est qui travaillait? Oh là là! Qui réparait des fenêtres avec le mastic et tout ça? C'est qui faisait ça? Oula! C'était le grand-père de mon père. Et c'était sa spécialité, ce monsieur? Il faisait beaucoup pour. En fait, on lui donnait la pièce à l'époque, il allait réparer chez les gens. Et les vitres? Les... Alors, il mettait les vitres avec le mastic, tu sais? Exactement. Oh là là! C'est vitrier! Oui, mais il faisait pas que vitrier, il faisait plein de choses, monsieur. C'était l'arrière-grand-père. D'accord. Qui c'est qui mangeait toujours, écoute-moi bien, du saucisson, un bout de pain et le transistor à côté? Mon beau-père. J'écoute le transistor et je... Attends, on va casser la croûte, hein. Hein, il met du saucisson et tout ça. Oui, le chorizo, il me met aussi. Le chorizo. Et piquant. Il ne veut pas piquer, donc... D'accord. Et piquant. Oui. Parce qu'il me met la bouche à piquant. D'accord. Il était très bon. Et... Oh, mais il est marrant cet homme. Regarde ce qu'il me montre. Il me montre une poêle noire. Oui, ça va. Je la connais. Il me fait jeter le saucisson dans la poêle, casser des œufs dessus et tout. C'est quoi ça? Il mangeait du chorizo. Sa sauce à lui. Oui. Du chorizo cuit avec des œufs. Avec des œufs cassés. Il mettait ça dans le pain et tout ça. Exactement. Pourquoi je le vois accroupi par terre, son transistor
un short bleu ciel, un Marcel blanc et une espèce de bob comme... Oh, il a une dégaine. Le bob sur la tête. Un bob sur la tête. Le Marcel, le short bleu ciel blanc, et accroupi comme ça par terre avec son petit transistor. Qu'est-ce qu'il faisait du carrelage? Le carrelage de sa terrasse. Merci. Oui. Et puis j'ai un petit tour. Il aimait bien rigoler, danser, ce monsieur. Il dansait beaucoup avec moi. Voilà. Exactement. Il m'attrapait, il faisait danser. Voilà. Il rigolait tout le temps, tout le temps. Oui. Oh, il me dit, c'était le bon temps. Qu'est-ce qu'il donnerait pas pour manger encore des chorizo avec des œufs et danser avec vous? Et moi, ça comptait. Ben, on donne ça. Il était très fier d'avoir une belle fille comme vous qui me dit. On s'entendait très bien. Voilà. Qui c'est Rosa? Rosalia? Rosalie? Rosalie. Je connais une Rosa, mais c'est la... Rosa, c'est qui? C'est la grand-mère de mon ex. D'accord. Ma grande ex-mari. D'accord. Qui est décédée aussi. Qui était espagnole? Elle a des origines espagnoles. Voilà, elle est d'origine espagnole. Elle vous embrasse aussi. Elle passe. C'est gentil. Toutes ces personnes-là, elles vous aiment. Actuellement, vous êtes seule, madame, vous? Oui. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Ah bon? C'est le caractère que j'ai. C'est le monsieur avec le Marcel et le transistor qui me dit de vous lire ton beau-père. Vous séparez, vous pensez terminer votre vie seule? Parce que je suis tranquille. Oui, je vous ai dit, moi, je veux pas des problèmes, je veux pas des trucs. Exactement. Et vous êtes un peu jeune quand même, non? Comment? Vous êtes un peu jeune. Bah, pas tant que ça, j'ai 53 ans. Donc mais vous êtes jeune. Ouais, c'est bon. Bah, j'ai plus 30 ans, 20 ans. Bah oui, mais vous êtes plus jeune que moi, donc vous êtes jeune. Et moi, d'accord? Donc, non, c'est pas fini, le moule n'est pas cassé. Non, bon, mais ça marche pas. En parlant de moule qui n'est pas cassé, qui c'est qu'allé chercher des moules comme ça? C'est pas les moules frites d'ailleurs, mais qui mangeaient des moules comme ça, gratinées, des moules, des ah, moules ça, c'est mon père, à la sauce tomate, des moules c'est mon père. Au vin blanc, des moules, j'ai toutes les sauces aujourd'hui. C'est d'accord, il me montre ça comme père. Oui. On est d'accord. Et c'est lui qui faisait la cuisine. Pas toujours. Oui, mais il aimait bien mettre la pâte à la cuisine. Quand c'était les crustacés, oui, on est d'accord. Ça, c'est votre papa, tu vois, ils sont tous là, tous les morts, ils sont là. Hein. Oui. Qui c'est qui se piquait, madame, à l'insuline pour le diabète? Mon père. Il dit, aïe, tu me fais mal, qu'est-ce que tu fais? Il m'a piqué. Il déteste ça. Ouais. Bah oui, mais il m'a piqué, moi. De... Il m'a piqué ce coup. Ouais, j'ai piqué, j'avais mal. Ah, il m'a piqué comme ça, là, le bras, tout ça. Il se piquait lui-même, c'est ça? Oui, on est d'accord. Il était diabétique, votre papa? Oui. Il n'a pas toujours été diabétique, c'est sur le tard qu'il est devenu diabétique. Exactement. On est d'accord, hein? Parce que quand il était jeune, il n'avait pas le diabète, papa. Oh, ça force de manger tout ce qu'il mangeait, celui-là aussi. Hein? Oui, c'est un bon vivant. Voilà, on est d'accord. Bon, madame, qui c'est qui jouait de la guitare sèche? Oula. Guitare sèche à 6 cordes. Et qui c'est qui jouait de... Harmonica. Harmonica, mon beau-père. Oui. La gaïta, mon mari, et... De l'harmonica, c'est qui? Son beau-père. Mais la guitare à 6 cordes. Ah si, j'ai la guitare sèche, marron, là, un peu comme les danseurs de flamenco, là, et en bois, tu sais, marron, 6 cordes, et gling, 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 gling. Ah si, ah, j'ai quelqu'un qui jouait de la guitare. Je peux pas vous dire si c'est du côté de mon ex-mari. D'accord. Votre papa et votre maman, ils étaient espagnols tous les deux? Maman française d'origine allemande et ah, papa espagnol d'origine marocaine. Oui, mélangé. Un sacré mélange. Pied noir. Oui. Voilà. T'as oublié. Vos parents sont décédés tous les deux, madame? Maman, personne. Maman, elle est toujours là? Oui. Et c'est dur avec maman? Très dur. Ça sera dur jusqu'au bout. Hein? Ah, vous avez compris. Hein? C'est pas cette âge-là qu'elle changera. Hein? Ça ne s'arrange pas en vieillissant. Non. C'est comme ça. Oui. On vous remercie. Ça, c'est votre père et votre beau-père qui vous remercient pour tout ce que vous faites pour votre mère. Parce qu'elle ne sait pas dire merci. Je m'en suis un peu éloignée. Je sais, j'ai compris. Voilà. Mais c'est pour ça qu'eux, ils viennent pour vous remercier. Avez-vous une question à poser, madame? Voilà, le transistor. Si bien. Dites donc. Qui c'est qui écoutait du Jodassin? Oui, c'est ce qu'il a. Hein? Jodassin, Johnny Hallyday, c'était plutôt mon père. C'était ton père, hein? Oui.
Il écoutait que bien, il chantait la chanson, oui. Et tout, trop drôle. On en avait même trop dans les oreilles. Ah, c'était ouais. Trop. Et en boucle, hein, il remettait la chanson, c'était il remettait la chanson. Oui. Hein? C'était la bonne. Jouer les airs, c'est ma mère jouer les airs toute la journée. C'était toute la journée. Oui, c'était en boucle. C'était pas l'un, c'était l'autre. Ça va, on me donne ça. Donc, c'est pour vous prouver que votre père, vous voyez, il est bien là avec vous. Comme du Joe Dassin et tout ça. Aimez bien. Je l'ai souvent en songe. Qui c'est qui avait une déesse, madame? Et puis alors, dis donc, le poste radio, c'est on tourne le bouton. Ah, on était bien. On est d'accord. Après, c'était avec le poste cassette, mais au début, c'était avec les... Il y a des POC, hein. D'accord. Les années 70, elles ont beaucoup marqué pour vous? 75, 78 et tout ça. On arrivait sur Marseille, oui. Ça a beaucoup c'est ce qui a tout brisé. Ouais. Voilà, on donne ça. On dit ça a énormément marqué les années 70. Oui. Vous avez une question, madame? Votre beau-père, qu'est-ce qu'il vous aime? C'est incroyable. J'aime aussi. Ah oui. Il me dit de vous dire, t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète. Que lui, il ne vous lâche pas. J'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai l'intention d'aller m'installer dans le Var. J'aimerais savoir si... Moi, tu vas y aller, bah oui. Bah oui. Voilà. Et tu seras plus heureuse. Bah oui, j'espère. Même que oui. Voilà. Petite maison, tu cherches dans le Var? Exactement. Tu vas la trouver. Ah ben merci. Allez, merci, merci le beau-père, hein, parce que... Je les embrasse. Mais alors, avec la guitare sèche et tout, puis du Joe Dassin Zoom... Je ne sais pas. Qui c'est qui fumait des gitanes, des gaulois, c'est lui? Les deux. Ah, oui. Et puis le vieux... Ah ouais, ouais, voilà. La clope comme ça, et puis un loup comme ça, et puis... C'est trop drôle, hein. Bah, c'est comme ça, voilà. J'invente pas, madame. C'est comme ça. On vous aime, en tout cas. Oui, vous allez aimer. Ne vous inquiétez pas, il va vous aider, votre beau-père, madame. Allez. Là, j'étais à droite. Jeanine décédée, ça marque pour quelqu'un. Jeanine décédée. Jeanine. Tu vois, t'es à côté, moi. C'est qui pour vous? Ma grand-mère. Non, qui? Ma grand-mère. Votre grand-mère. Ça fait longtemps qu'elle est décédée, Jeanine? Oui, ça fait longtemps déjà. On me donne ça. À côté d'elle, alors j'ai quelqu'un qui est mort du cancer, j'ai quelqu'un qui est mort de la tête. Rupture, oui. C'est qui? Alors, qui est ma belle-mère. Qui est morte de la tête? Qui a eu un problème à la tête, mais elle n'est pas morte vraiment. Elle a eu un cancer après. Elle avait une tumeur dans la tête ou elle avait un... Alors, ou non, c'est monté à la tête le cancer? J'essaie de comprendre. C'est une femme? Oui. Tu sais, quand le cancer, il se propage et que ça termine par la tête. Je pense que c'est ma belle-mère. C'est ta belle-mère, oui, hein, qui est décédée, qui a beaucoup souffert. Hein. Oui. On me le donne. Et qui c'est qui est mort aussi du cœur? Mon oncle. Mon oncle. Oui. Et Jeanine, elle est décédée de? D'un cancer du poumon. Voilà, c'est bien ça, le cancer et le cœur. Ça fait un moment qu'elle est décédée, votre grand-mère. Oui. Elle est tout le temps proche de vous. Elle se met souvent sur votre côté droit, là. D'accord. Vous ne le ressentez pas, ça? Qu'on vient et qu'on vous aide? Alors, ce qu'il y a, c'est que là, c'est un moment que j'ai plus, mais des fois, dans mes rêves, je la sentais comme quand j'étais petite et que j'allais entre ses seins, que j'en étais contente. Ouais, mais là, je ne peux pas entre ses seins. Mais d'accord. J'étais très, très proche. La tête, c'est comme si tu mettais, c'est très beau, ça joue contre ta joue, là, ici. Elle se met là, sur le côté droit. C'est très, très beau. C'est une protection pour toi. Ouais. Elle t'accompagne, d'accord. Vous avez des papiers à faire, vous, madame? Des papiers? Oui. Carte d'identité, passeport, des trucs comme ça. Passeport, il va falloir que je renouvelle mon passeport. Ben oui, parce que j'entends nom, prénom, adresse, date de naissance et tout. Donc il faut le faire. D'accord. À pas attendre la dernière minute. Il y a un voyage. Je ne sais pas, peut-être. Ben, vous allez faire un voyage, donc si tu n'as pas le passeport, t'es mal. Hein. Il faut faire le passeport. Il est périmé, votre passeport? Oui, il vient d'être périmé. Tu vois, regarde. Mais j'ai pas encore pris le voyage, quoi. Je l'ai un petit peu. Va me faire le passeport. D'accord. D'accord. Parce qu'après, c'est long et tu seras embêté. D'accord. Pourquoi les pays de l'Est avec vous? La Roumanie, la Pologne, les machins, vous êtes attirés par ces pays? Vous avez fait ces pays-là? Non. Vous n'avez jamais visité? Non. Mais ça sera peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais... Vous êtes seule, vous, madame? Non, je suis mariée. Et vous voulez aller faire ces pays? Voyage avec votre mari ou quelque chose comme ça?
Là, retenez-le, mais en tout cas, votre, le passeport de votre mari, lui, il est valable encore. Il est encore valable. Ouais, mais le tien, non. Alors, s'il veut partir et que vous partez comme ça du jour au lendemain, ben, t'as pas de passeport. Le temps de le faire et tout, l'été, il est fini, c'est foutu pour toi. Donc, va, occupe-toi de faire les papiers. C'est vous qui gérez les papiers à la maison et tout. Oui, voilà. Alors, ça, c'est important, hein, d'accord. Qui c'est qui fait du bateau à moteur? Vous n'avez pas, pas des amis à vous ou quoi? Ça vous donne rien? Ou à votre mari? Non, je sais pas. Retenez le vieux. D'accord. Oui, il y a un voyage ou deux d'ici la fin de l'année pour vous, madame. Vous ne savez pas si vous partez ou si vous ne partez pas avec votre mari? On n'a pas encore prévu nos vacances de cet été. Oui, c'est pour ça que pas à la dernière minute. Hein. Ouais. D'accord. Vous partirez tous les deux seuls? Je pense, oui. Les enfants sont grands. Donc, oui, ils ne partent pas avec vous, les enfants. Non. Ou avec des amis, peut-être? Peut-être avec des amis. Oui, mais je partirai. Vous priez la Sainte Vierge, vous, madame? Ah oui. Voilà. Ben, en fait, ma grand-mère, Janine, prie énormément. La Sainte Vierge. Et vous, c'est pareil, parce que quand je vous regarde, depuis tout à l'heure, je vous parle, je vois dans une colonne bleu ciel. Et ça fait comme un voile qui bouge, comme ça. C'est très drôle. C'est très joli ce que je vois. Donc ça veut dire que vous êtes sous la protection de la Sainte Vierge. D'accord, c'est très important. Qui c'est qui a perdu un travail là, ces derniers temps autour de vous? Qui a perdu son travail ou qui a perdu un travail? Qui s'est retrouvé? Ah oui, c'est un ami qui a eu une rupture conventionnelle, on va dire. Et qui s'est retrouvé... Le problème de santé aussi. Ouais, et qui s'est retrouvé, plus de travail, plus machin, il s'est retrouvé un peu dans une panacée, le pauvre gars. Hein. Et il a retrouvé autre chose ou quoi? Non, pas pour l'instant. Il a été hospitalisé, votre ami? Il a été hospitalisé, oui, il a été opéré. D'accord. Il est ressorti, mais il se pose beaucoup de questions voilà, sur son avenir professionnel. Voilà, il a très, très peur, ce gars-là. Rassurez-le, je pense qu'il va retrouver autre chose. Qui c'est qui est mort du Covid autour de vous, madame? Ben oui. Alors, je ne sais pas si mon oncle est mort de ça. Bon, il avait la maladie de Parkinson. Oui, mais c'est pas le Parkinson qui l'a emporté. Voilà. Il est mort à l'hôpital. Il est mort à l'hôpital. Et c'est le Covid qui l'a emporté, madame. Sachez-le. Hein, d'accord. Parce que moi, j'ai les poumons et le cœur. Poumons, cœur. Oh, j'ai tout. Bah oui, madame. Il est mort l'été dernier. L'été dernier, ça va faire un an. D'accord. Et vous embrasse aussi ce monsieur aujourd'hui. D'accord. Et qui c'est qui conduisait deux chevaux? Mon oncle. Donc c'est bien ça. C'est lui qui vient. C'est pas le mien, non. Il est décédé depuis longtemps. J'avais 15 ans quand il est décédé. Bon, ben alors, celui qui est mort du Covid, que vous pensez que c'était le Parkinson, du côté de Vert, a retrouvé le monsieur qui conduisait la deux chevaux. Elle était bleue, la deux chevaux? Verte. Il en a eu une bleue aussi. Renseignez-vous. D'accord. Et autour de vous, il y avait quelqu'un aussi qui avait une 403 Peugeot. C'est vieux, ça, hein? Vous vous rappellerez? Oui. Ça, c'est ça, ça marque par rapport à votre vie. Vous avez une question à poser, madame? Oui, je voudrais savoir. Janine, elle est très bien, elle vous protège, ne vous inquiétez pas, qu'elle me dit. Par contre, on vous prévient pour les papiers, parce que sinon, vous allez vous retrouver. D'accord. Vous serez obligé de rien faire du tout. Hein. Ok, donc je vais vous faire. Oui, donc ça fait longtemps que ma grand-mère est décédée. Je voulais savoir aussi, parce que j'étais très proche de mon arrière-grand-mère. J'ai plus paternelle, Yvonne. Non, et bien j'ai plus Luciano. Je suis ma grand-mère. Moi, j'ai plus Janine qui est venue aujourd'hui et qui vient pour te prévenir par rapport à tes papiers. Et elle est bien, elle est là. Très bien. Elle est avec ses enfants, elle vous protège. Et c'est elle qui t'a inculqué la foi, la religion et tout ça. Elle est contente que tu pries. D'accord. Et je voulais vous demander, je fais aussi, j'ai un travail, et à côté, je me suis lancée déjà depuis 10 ans dans les soins énergétiques. Oui, il faut continuer. Voilà, donc savoir si c'est bien sur ma voie et... Continue, demande à la Vierge, je t'aide, je t'aiderai, d'accord? D'accord, ok. Allez, merci beaucoup. C'est un message de Janine pour ton passeport. Hein. D'accord, ok. Parce que comme c'est cet été, qu'il faut combien? Un mois à peu près? Un mois et demi en ce moment, ouais. Presque deux mois. Presque deux mois pour le passeport. Pour le passeport. Alors dépêche-toi. Il y a beaucoup de retard. Voilà. Merci. Là, j'étais à côté du monsieur. Vous avez perdu quelqu'un qui s'est suicidé pendu? Oui, pendu avec une corde.
Un jeune. Il est beau, il est beau, il est beau. Je sais pas comment ça, ça me parle pas. Ah, pourtant, si. Hein. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Pendant une période, quand vous étiez plus jeune, vous faisiez la fête, non? Vous sortiez beaucoup, vous alliez danser, oui, et tout. Oui. Il me dit, souviens-toi, rappelle-toi, qu'il me dit. Oula. Vous êtes, parce qu'il est content que tu ne te souviens pas de lui, quoi. Et c'est quelqu'un qui s'est suicidé pendu. Oui, oui. Quelqu'un très gentil. Quelqu'un qui était très malheureux. Je pense que ce jeune homme, il avait touché pas mal ou à la drogue, ou à l'alcool et tout ça. Ça ne vous donne rien? Dans les fréquentations que vous avez quand vous sortez. C'est pas au genre actuel, hein, ça. Après, j'ai perdu un peu de... Tous ces amis, je les ai perdus de vue parce que j'ai déménagé. Ouais. Je suis parti. Donc, tu sais pas? Non. J'ai fait une Italie et là... Voilà, ça s'est passé en Italie. C'est ce que j'allais dire, moi. Un beau jeune homme, qu'est-ce qu'il était gentil et tout. Il s'est pendu, ce jeune homme. Il en voulait toute sa vie. D'accord? Après, j'avais des amis qui n'étaient pas bien dans leur peau. Ouais. Il n'avait pas touché à la drogue, à l'alcool, ce garçon, vous ne savez pas, vous ne rappelez pas. Non. D'accord. Qui c'est qui travaille dans le bâtiment? Bâtiment, mon père travaillait dans le bâtiment. Maçon, il était, papa? Non, le bâtiment, il était associé, il était plus plombier. Plombier? Mais qui c'est qui faisait de la maçonnerie? Il faisait des fois des travaux de maçonnerie, monter des murs, des trucs et tout ça. Oui, ça n'est pas lui. Ouais, parce que je vois la bétonneuse qui tourne avec le ciment, oui, à l'intérieur. Oui. C'est pas la plomberie, ça. C'est monter un mur, hein. C'est ça, mais à côté, les mêmes personnes aussi. D'accord. Qui c'est qui a eu des problèmes avec un cancer et qui a été soigné, qui a été pris à temps et tout ça? Ma mère. Ma grand-mère. Elle a eu un cancer du sein, cette dame? Oui. Mais c'était tchic-tchic, récurrent, hein? Ouais. Ben, deux... Dernièrement, hein? Ma grand-mère, ta il grand-mère? Y a 2 mois. Ouais. Cancer du sein? Oui. Et ma mère. Elle a été opérée? Oui. Voilà, que Dieu la préfère. Et ta maman aussi? Oui. Mais les deux, ça va, toutes les deux? Oui. D'accord. Tu leur envoies des sous un peu à ces dames? Ah bon? Lui maintenant? Non. Elle ne te réclame rien, hein, mais... Non, non, non. Elle te demande de rien, c'est la vérité. Hein. Mais on me dit de temps en temps un petit cadeau, leur donner des choses. Elles sont âgées toutes les deux, ta mère et ta grand-mère? Ma grand-mère, oui, elle a 90 ans. D'accord. Et ta mère? Ça dépend si on ne la voit pas. 66. Non, c'est pas vieux. Ouais. T'as des frères, toi? Une sœur. Et c'est qui alors, ce jeune homme? Il y a un garçon que t'aimes beaucoup comme un frère? Oui, mon meilleur ami. Donc, il vit là-bas en Italie, lui? Oui. D'accord. On dirait que c'est un frère. Oui, c'est vrai. Il pense tout le temps à toi, tu lui manques, des fois il pleure, il aimerait que tu viennes. Mm-hmm. Tu vas pas beaucoup là-bas? Non. Tu as fui la famille, toi, non? Oui. C'est pas grave, hein? Il a fui la famille. Quand tu n'arrivais pas à faire ta vie avec ta mère et machin, non. J'ai tout. Regarde, ça me prend la gueule. Ouais. J'ai tout. Oui ou non? Oui. Une Thierry ici? Un copain. Ah, et tu vis avec et tout ça? Oui. D'accord. Il est bien, hein? Oui, oui. Pourquoi toi t'es pas bien avec lui? C'est toi qui déconne et lui il est bien et toi tu viens déconner. Moi j'ai un peu plus compliqué. Oui, c'est toi qui déconne. Lui il est droit, il est honnête, il est plus vieux que toi, lui, non? Plus âgé. Ouais, il est plus posé, plus calme, plus ancré dans la vie et tout ça. Et toi, tu sais pas trop ce que tu veux, hein? Non. Ah, maman. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Oui, oui. Mais oui. Je sais pas ce que je veux faire, moi. Par rapport à ton avenir et tout ça? Oui, par rapport à moi, par rapport à moi, ouais, ma personnalité. Toi, ta personnalité, ton travail et tout ça, tu voudrais te réaliser et tout ça, voilà. C'est ça? Tant que t'es pas réalisé, tu seras pas bien dans ta peau. Je sais. Mais moi aussi, je dois le dire. Et lui, il t'aide pour le travail ou quoi? En ce moment, un peu plus, ouais. Oui. Vous parlez beaucoup tous les deux? Oui. Il faut parler, hein. Tu es fidèle, toi? Ah oui. Intérêt. Aujourd'hui, oui. Ah bon? Et là? Je suis fidèle. Aujourd'hui, oui, hier, non. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est plutôt posé et tout ça, ton compagnon? Oui. Pourquoi pour lui, dans sa tête, parfois, c'est
comme un échec, tu vas le laisser tomber parce qu'il est vieux, des trucs comme ça et tout ça. Pourquoi il pense à ça, lui? Peut-être parce qu'il voit, que je ne suis pas épanoui. Ah. Et alors il est un peu comme désolé parce qu'il se dit qu'il ne te rend pas heureux, c'est ça? Ouais, je pense qu'il ne le dit pas vraiment, mais je pense qu'il a... fait de la peine. Attention à ce que tu lui fais, toi. Il fait de la peine, mais... Il est très gentil. Oui. Il est timide? Non, ça va. Non, ça va? Avec les gens, ça. S'il était là, il ne sait pas, il se mettait sur la chaise. Vous êtes d'accord? Il y a un projet d'acheter une maison, quelque chose comme ça? Il y a un projet de déménager, oui. Voilà. Vous voulez une maison? Un idéal, oui. Ben oui. Et tu veux un chien aussi? Un deuxième. Qu'est-ce que tu veux comme chien? Un chihuahua. Ah ouais? Ça porte bonheur. Au Mexique, les chihuahuas, ça porte bonheur. Et on a déjà un chihuahua, on va en deuxième. Ça mange la croquette, ça, non? Quoi, j'ai des gros sacs de coco. Hein. Pourquoi? Parce que le chihuahua que t'as le premier, il s'ennuie. Alors tu veux les prendre un copain ou une copine comme ça? Non, c'est lui qui veut en deuxième. Oui, c'est mieux. Oui, oui. Ah oui? Déjà deux chats. Et toi, t'adores les bêtes? Ah oui, moi j'adore. Ah moi aussi. Et ton chien aussi, t'adores, hein? Oh là là. Je sais, toi, je sais. Dors avec toi? Oui. Et toujours des léchouilles et tout, comme ça? Oui. Te lave le visage et tout. Oh là là. C'est beau, hein? C'est qui fait à manger à la maison? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que moi je mange ce que j'aime et je ne veux pas qu'il cuisine pour moi, mais lui ça me frustre. Il est frustré. Bah oui, mais tu frustres beaucoup toi les gens, toi, tout ça. Hein. Pourquoi il fait à manger? C'est bien faire à manger. Ah oui, oui, oui. Et t'aimes pas ce qu'il fait à manger? Non. C'est pourquoi t'as qu'à lui dire ce que t'aimes. Et comme ça tu manges ce que tu aimes avec lui. Oui, mais moi j'aime bien faire les choses moi-même. Ah, il y a bien beaucoup de choses pour lui. Caractère, pas pas doux, hein? Ouais, l'ensemble. Et lui, il comprend. Parce qu'il ne sait pas quoi faire pour te rendre heureux. Et à chaque fois, bim, 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 tu lui fermes les portes comme ça. Mur. Oh, c'est déjà ça, toi. Non, oui, je sais. Mais oui. Oui, oui. Aimes-tu l'amour, toi? Ah, le gars il se lance pour faire les trucs, pour faire bien, pour aller, on est heureux, on est bien, on est tranquille et tout. Lui, non, non, non. Oui, ça va. Oui. Bah, au moins il le reconnaît. Oui, tu voilà. Le reconnais. Oui, aujourd'hui. Il est généreux avec toi, lui? Oui, énormément. Il te gâte et tout, hein? Oui. Non, c'est quelqu'un de bien. Alors, moi, j'aime pas, moi. Qu'on fasse du mal à des gens quand ils sont bien, non, comme je ça. Je ne lui fais pas du mal. Bah, c'est pas si. C'est pas méchant, quand même. Mais si, Oh, 5 heures, oh, qu'est-ce que t'as à la place? Ben si, tu lui fais de la peine, tu te rends pas compte. Chut. Oui, ça va. Mais j'ai beaucoup de peine avec lui, ça me donne envie de pleurer, là, tu vois, ça m'énerve même. Vous m'avez déjà dit ça. Ah, ben je te le redis, alors. Je ne me rappelle pas, c'est ce que je t'ai dit. Ah, mais moi, je ne me rappelle pas, mais moi, je te dis, il faut faire des efforts, parce que, non, lui, il est gentil et tout. Non, 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 tu seras avec quelqu'un qui n'est pas bien, ok, mais là, non, lui, il ne mérite pas ça. J'aime juste, les choses justes. Tu comprends? Oui, je comprends. Allez, fais des efforts. Oui, j'essaye. Encore. Mange tes assiettes. Range ton frein, sors les assiettes, prépare un petit plat avec et tout, tranquille, on rigole et tout ça. Mets la musique et tout. Invite. Et pourquoi tu restes toujours ce passé, la famille, les machins? Allez, basta, la famille, arrête un peu. C'est ça mon problème, la famille. Je sais, tu te rends malade. Eux, ils se rendent malade pour toi. Ouais, je sais, mais... C'est quoi? C'est mon caractère aussi. Et je n'arrive pas à couper le... Le cordon ombilical, non. Avec qui elle est la maman. Hein. Elle te manque. Elle te manque, mais je lui en veux beaucoup. Oui, mais alors, quoi? Il est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Ah oui, c'est compliqué. Il faut aller voir la dame, là, à côté. Je pensais au tout. Ah oui, mamma mia! Tu vas voir le travail que tu vas avoir pour me décortiquer tout ça. Oh la vache! Ah non, parce que regarde, t'as des choses pour pouvoir être heureux et tu me gâches les choses. Et tu c'est comme si tu te donnais le bâton pour auto-sabotage. C'est pas normal, ça. Et je sais que je suis. Je me fais du mal moi-même. Toi-même tout seul. Alors que tu as tout pour être heureux et que tu peux faire tout peur pour être heureux. T'as peur d'être aimé ou
d'aimer. Ou t'as peur des deux. Et les deux même. Je pense que c'est un peu les deux parce que c'est toujours là. T'as peur d'aimer et d'être déçu et tout ça dans l'avenir. Et t'as peur d'être aimé aussi parce que des fois tu te sens ou diminué ou pas à la hauteur ou ma machin. Mais fais quelque chose de bien avec lui. Sois simple un peu. Mais tu es compliqué. Oui, je suis compliqué. Trop. Mais des fois, je me dis, c'est ma faute, c'est, je m'en veux. Mais oui, parce que lui, il demande que ça, il demande qu'à être heureux. Comment il s'appelle? Nicolas. Moi, je l'aime bien, Nicolas. Et je sais que vous l'avez dit déjà. Hein? Vous l'avez dit déjà. Eh bien, je l'aime bien, alors je le défends, Nicolas. J'aime pas les choses... Tu vois, il est même pas là. Tu vois? Franchement, non. J'aime bien les choses justes, parce que lui, il mérite pas ça, quoi. Il fait tout pour que tu sois bien, pour que tout le monde soit bien, et tout le monde soit heureux. Me sabote pas tout ça, quoi. D'accord? Allez, va voir la dame, là, t'as... Oui. En fait, tu as du boulot. Est-ce que tu as une question à poser? Tu vois, c'est... et ça, c'est le jeune homme qui s'est suicidé pendu en Italie qui me dit ça. Il était jeune, il était beau. Je sais pas s'il devait avoir entre 16 et 18 ans, ce jeune homme. Il touchait à la drogue, il touchait à l'alcool, il se cherchait, il était mal dans sa peau, il savait pas s'il était hétérosexuel, homosexuel, je sais pas ce qu'il était, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, il était très très mal dans sa peau. Oui, c'est à l'époque que j'avais ces amis-là et c'était des troubles. On parlait pas de ça, c'était, ouais, c'était mal vu tout ça. Toi, tu es comme tu es, t'as une sincérité, t'as une sensibilité, on va pas cracher dessus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais t'es authentique. Pour l'amour du ciel, ne gâche pas tout. Tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je sais le temps en plus. Oui, les années, ça passe, ça défile et puis... Non, en plus des choses simples et qu'on peut être heureux, des choses simples. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends, mais c'est compliqué. sur Internet, tu vois, c'est compliqué, hein. Est-ce que tu as une question? Justement savoir si avec Nicolas tu vas changer. Ah, j'aimerais bien. Non. C'est quoi? Après si Nicolas il s'en va, je ferme la boutique pour plus personne. Je ferme la boutique. Pourquoi tu veux qu'il s'en aille, Nicolas? Mais on dirait que tu fais tout pour qu'il parte, toi. Tu le pousses pour voir, tu le piques pour voir jusqu'où il est capable d'aller. C'est machiavélique. Mais il peut être dans un centre d'universel. Oui, une rupture de quelque chose avec ses parents. Pour l'amour, aide-le qu'avec le Nicolas, parce que Nicolas, il est bien. L'hypnose, ouais, bah, tu vas lui faire un peu. Fais-lui la totale. Voilà, la totale de A à Z pour qu'il rentre chez lui, il est normal. Qu'il mange les plats de Nicolas. Je voulais savoir, parce que lui, il a un affaire avec un associé. Oui, je n'aime pas l'associé. Ouais, moi non plus. L'associé, il est intéressé, il est calculateur, voilà. Il est... Voilà, c'est ça. Hein? Donc lui, enfin, il voit les choses comme elles sont. Okay, bon. Il est beau, ton Nicolas. Oui. C'est un beau mec, en plus. Hein? Ah ouais, pardon, excuse-moi, parce que j'ai vu la femme, je ne pas. Bon, et alors l'associé? Donc oui, il veut terminer ce partenariat avec l'associé. Ah oui, moi je veux qu'il se sépare et qu'il fasse des trucs seul, c'est mieux. Savoir si on fait quelque chose ensemble ou pas. Oui, mais d'abord, il faut que tu changes. D'accord? Oui, je sais. Et comme ça, après, tu fais des trucs. Et avant, petit pauvre, comment dire, avant, c'est arrêter, sois heureux, arrête de te poser toutes ces questions. Et ma mère, et mon père, et mes frères, et mes soeurs, oh, ce serait les mêmes. D'accord? Juste une dernière question. Je rêve toujours d'une grand-mère qui est décédée. Oui, elle te protège. Voilà. C'est normal. Okay. D'accord. On essaie de tout faire pour que tu sois heureux, et puis, tu ne prends rien. Capadoula. Allez, ouais. J'irai voir... Oui. Allez. Merci. Photo grand, tu aimes le petit, la petite colline, oui. Tu t'en occupes, hein? Hein? Ah oui. Oh là là, le Nicolas, il va te bénir après, il va dire... Ah, la déesse Françoise. Ah oui, ça va pas, non. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va pas, non. Ben oui, je sais, moi aussi. Il est perturbé. Je vais passer pour le savoir. On va faire les questions? Oui. D'accord. Sois heureux. Ah mais oui, là, tout pour être heureux, il m'énerve. C'est par rapport à la famille.
Tu sais le nombre de gens des fois qui viennent me voir et qui sont seuls et qui n'ont personne, toi t'as quelqu'un de bien et tu fais tout pour tout gâcher. Non mais ça va pas, non. Allez. Bah toi, Chouchou. Des questions. Bah, on va poser une question précise et pas 10 questions dans la question parce qu'il y en a qui s'arrangent dans la question. Ça, tout ça. Il y a 10 questions dans la question. Allez. Attention. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais juste savoir si je suis sur le bon chemin avec mon ami. Oui. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi je voudrais savoir parce que vous m'aviez dit qu'il y avait une rencontre qui devait se faire. Oui. Et pourquoi elle ne s'est pas faite et si ce sera pour cette année. Il y a une rencontre, tu ne l'as pas encore fait, je te le dirai quand c'est bon, t'inquiète pas. La dernière fois, il y a une dame, elle est venue, elle m'a dit, il est là, qui il est là, le portugais, quel portugais. Elle me dit, mais le portugais que tu voyais, je ne sais pas moi, je m'en rappelle plus, mais il est là. Elle est venue me présenter, ben ça c'était génial, tu vois. Quand on vient, qu'on me présente et tout, waouh. Elle aura, elle n'a pas encore rencontré. Mais c'est la fin d'année. Oui, mais tu ne l'as pas encore rencontré. D'accord, merci. Allez. Bonjour. Oui, bonjour. Mon mari, au niveau professionnel, il souhaite autre chose. Et on est dans l'attente d'une réponse. En fait, il a postulé, mais voilà, on est dans l'attente là. Non, je pense pas que c'est ça, il y aura autre chose encore. Ça va prendre du retard ou quoi. Et je le vois changer de travail, mais c'est pas pour tout de suite, d'accord. C'est dans l'année Plus fin de l'année, début d'année prochaine, hein, d'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question professionnelle. Je pense être dans la carrefour. Donc, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdue. Ah, tu veux faire entre quoi et quoi? Une question précise. J'aimerais salarié, mais changer d'environnement secteur. Tu veux changer carrément de travail, quoi, faire autre chose, c'est ça? Non, rester dedans, mais dans un autre. Une autre boîte? Oui, parce que j'ai eu un retour récemment, donc ça va pas changer de toucher. Non, mais je pense que tu changeras, mais pas dans la même boîte, hein, d'accord? Ok. Carrément, tu changes de boîte et tu changes de travail dans le sens. C'est pas la même façon de travailler que tu vas faire. D'accord. C'est le même travail, mais pas la même. C'est mieux. Ok. Voilà. Merci beaucoup. De rien. N'aie pas peur, tu auras toujours du travail, toi. Bonjour. T'es une bosseuse. Bonjour. 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 Alors moi, je voulais parler pour mon fils. Parce que il a déjà 33 ans et... Il est toujours pas marié là-bas. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec un fils pareil? C'est très timide. Ah ben oui, alors comment on fait? Faut que ce soit la fille qui le drague, hein? Oui, certainement. Il aime les blondes? Pardon? Il aime les blondes? Oui. Elle sera châtain blonde, la fille. Tu te rappelleras? Oui. Dans combien de temps à peu près? Oh, pas tout de suite. Il a 33 ans. Oui. Avant les 35 ans, voilà ce qu'on me dit. Avant les 35 ans. Voilà. Il finira pas seul, ton fils, t'inquiète pas. Et elle, elle a peur, elle dit si je meurs, mon fils va rester tout seul. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un fils tout seul? Pour ma tienne, elle va me poser une question aussi. Hein? T'inquiète pas, mon petit. Mais tu vas pas le donner à n'importe qui, faire n'importe quoi non plus, hein? Allez, t'inquiète pas, tu la verras, la belle-fille. Sois pas pressée, parce que des fois, regarde la dame, elle a la belle-fille. D'accord? Allez. Des fois, toujours, les belles-filles, les beaux-fils, ils sont pas toujours. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon frère accepte. Bon, il a beaucoup de problèmes. Et... J'ai pas compris. Bon, si mon frère accepte qu'il y a beaucoup de problèmes. On a à peu près le même âge, 27 ans. Et on a des vies qui partent, j'ai l'impression, à l'opposé. Et il a touché à la drogue et tout ça, ton frère? Pas tellement. Si, fumer des joints et tout. Oui. Mais pourquoi tu me dis donc? Il a une question, il a dit pas tellement. Ouais. Il se cherche, ton frère. Quel âge il a? 27. À 30 ans, il sera bien ton frère, pas avant. Ouais. 30, 31 ans, d'accord? T'inquiète pas, n'aie pas peur pour lui. C'est un mauvais passage, c'est comme ça. Merci. Ah oui. Hein. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas trop quelle question poser, donc du coup, bah, qu'est-ce que vous avez envie de me dire en voyant? Parce que je l'ai rempli, j'avais. Non, parce que là, ça des étoiles de mer, avec quoi? C'est quoi là? Moi, c'est des feuillages en fait. D'ici, ça fait étoiles de mer. C'est chaud, on s'en fout de ça. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir par rapport à ta santé? Oui.
Ouais, l'énergie que je dégage. Là, c'est très fatigué, t'as pas d'énergie, ma chérie. Ouais. Faudrait que tu manges mieux. Si tu veux, je te donne les kilos, c'est gratuit. T'as pas de problème. Gratos, ma D'accord. Faut que tu manges mieux, s'il te plaît. D'accord. Parce qu'au niveau. Faut que tu pries, faut que tu médites et que tu manges mieux. D'accord. Je ne médite pas. Eh bien, ça s'apprend, ma chérie. D'accord. Il y aura une très belle évolution spirituelle. Voilà. T'as les cheveux très très longs, toi, non? T'as les cheveux très très longs. Toi? Oui. Ben, je sais pas. Ah, voilà, oui. Jusqu'aux fesses. Voilà. Ben, ils sont plus beaux comme ça, tes cheveux. Merci. Ok, elle a les cheveux très très longs jusqu'aux fesses. C'est toi, la même. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voulais juste savoir si ma petite amie était passée de l'autre côté, puisqu'elle est partie en avril. Et du coup, ça m'est pas. Elle est décédée? Oui. Jeune, quel âge elle avait? Non, elle avait 120 ans, elle est partie d'IS. Mais pour savoir si elle est passée. Oui, elle est passée de l'autre côté, on est venu la chercher. Tu t'inquiètes beaucoup pour elle? T'inquiète pas. C'est comme une sainte qui est partie au paradis. Merci. Elle va t'aider. Merci. Pourquoi tu dis qu'elle est partie jeune? Parce que dans sa tête, elle était jeune. Elle était retournée comme un enfant. Je crois. Plus elle vieillissait, plus c'est comme une petite fille. Dans sa tête, il y avait. Ah, ça me. Tu sais, c'est comme si tu retournes la pureté. À la pureté de la naissance. Quelque chose comme un compte à rebours, je ne sais pas comment expliquer. Comme si dans sa tête, c'était une petite fille, c'était plus une. C'est. Waouh, c'est. Et très émouvant, c'est très beau, très pur. Voilà, très pur. On continue. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais réussir dans mes études. Oui, mais t'es un peu feignasse. Si tu pouvais juste un petit peu te secouer, ça serait bien. Merci. Allez, boss. Bonjour. C'est qui parle? Je vous vois pas. Merci, bonjour. Vous vous levez s'il vous plaît, merci. Juste savoir si j'ai un message. J'ai pas de message, je suis aux questions, madame. Là, on pose une question. Alors, et je réponds si c'est possible. Bah, professionnellement, si je vais garder le même emploi que j'ai toujours. Oui, madame. Vous voulez changer, vous êtes dégoûté. Allez, bonjour, monsieur. Là, je voulais savoir si on vivra assez longtemps avec ma copine. Ben oui, c'est ta copine à côté qui... Ouais. Ben oui. Voilà. Elle fait bien la cuisine? Elle fait bien la cuisine? Ça va. Bon. C'est délicieux. Hein? C'est délicieux. Ah ben alors c'est parfait. Soyez heureux. Bonjour. Bonjour. Tu m'avais dit de t'aller quand je vais par rapport aux problèmes financiers. Quand oui. Que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, t'inquiète pas. Toi, t'as eu des... problème avec des gens autour de toi te dérange, ma chérie. Énormément. Beaucoup d'ennemis, attention. Il faut aller voir un exorciste. Hein. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est pourquoi on est vraiment ces problèmes financiers. Quand tu te feras nettoyer. Ok, très bien. Voilà. Donc, tu mets des bâtons dans les roues. Et Chantal, quand on pense qu'on veut quelque chose, on est dans le manque. Donc, ouais. Elle crée le manque. Oui, mais elle a des blocages. Il faut qu'elle visualise déjà ses coûts. Dans ta famille, tu as des personnes qui sont négatives. Je désire. C'est horrible. Hein? Alors que toi, tu as un cœur comme ça. C'est toujours dans le monde. J'aimerais. Quelle origine tu es? Mélanger, métissé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de mélange. Il y a mélange. Il y a de l'Africain? Il y a de l'Africain? Il y a de l'Africain? Oui, il y a de l'Africain. Voilà, du black. Du black printemps. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un ancêtre. Il y a une femme noire avec la peau très lisse, brillante. La pharmacienne? Voilà, elle a la peau très noire, très brillante, comme très beau visage, lisse, elle te protège. Merci, c'est très gentil. Merci à vous, merci Chantal. Merci à elle, surtout, elle te protège. Et merci à elle. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour, c'est comment ton prénom, c'est bien mieux comme elle habillée. Pourquoi tu te retrouves? Bah oui. Hein? Karine, c'est une robe que t'as ou un chemisier, genre, je vois pas bien d'ici. Non, hein? Un petit mot. Ça te va très très bien, t'es super. C'est joli ce truc là comme ça. Allez, vas-y Karine, je t'écoute. Oui, rencontrer. Ah ben avec un robe t'as mis comme ça. Je crois que c'est un appel au peuple, mais pas loin. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un, t'inquiète pas. Faut sortir, Karine. Il va pas venir frapper à la maison. Hein?
Mais oui, mais il faut sortir. D'accord, ma chérie. Fais-toi belle et sors. C'est les beaux jours, faut en profiter. Sors, Karine, on me dit. Non, tu, dès que tu sors du boulot, hop, à la maison, le boulot. Oui, non, mais tu sors. Hein. D'accord. Oui, mais il faut sortir un petit peu, ma chérie. Allez, fais des efforts. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Merci pour votre aide. Merci là-haut. Alors, puisque j'ai compris que de toute façon, de la naissance jusqu'à la mort, tout est déjà tracé. Mais oui. Que rien ne change ici. Si, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Parce que c'est écrit aussi. Voilà. Mais en gros, ce qui doit changer, c'est d'être écrit. Voilà, c'est déjà écrit. Donc ça change. C'est le factum, c'est la question. Si, parce que tu crois que c'est peut-être telle et telle chose et c'est autre chose qui arrive. C'est bizarre la vie. Hein. Ah oui, d'ailleurs, tout ce qu'on voit n'arrive pas. Les choses qui arrivent, c'est les choses auxquelles on n'a jamais pensé. Mais voilà, c'est ça. Enfin, ma question, c'est, puisque c'est inéluctable, je viens d'apprendre que j'ai soi-disant la maladie de Parkinson qui se développe. Donc, pouvez-vous me dire, puisque tout est inscrit, ce qui risque de m'arriver dans le temps et peut-être jusqu'à la fin. Je suis pas tout bim, moi. Non, je te vois pas handicapé, je te vois pas, je vois pas de catastrophe, je vois pas aveugle, je vois pas handicapé ni rien. Je te vois bien soigné et je te vois faire très attention à ta personne. Le yoga, les choses comme ça, oui. Ça va, ça. Pardon ? Je fais très attention à ma personne, ça veut dire quoi ? Mais tu fais attention à toi, ta santé, tout ça. Hein ? Ça veut dire que je suis née meilleure ? Non ! Faire attention à ce que tu manges, faire attention à cette, comment tu te soignes, tout ça. Donc j'ai confiance en toi, je sais que j'ai pas de catastrophe sur toi. Voilà ce que je peux te dire. Parkinson, en décodage biologique, Chantal, je peux lui dire, souvent on veut imiter le mort. On arrive à l'âge où quelqu'un est mort. Et qui c'est qui est mort ? Et on imite le mort. Il faudrait qu'elle écoute Salomon Sela en décollage. Père est mort, on est à 5 ans, plus 6 ans. Voilà. Donc j'ai un rapport avec le mort. Je me paralyse comme le mort. Voilà. Pour faire un décodage. Il y a un travail à faire. Voilà. Un travail à faire. Voilà. Hein ? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Merci beaucoup. Et ton ange gardien, d'accord ? En tout cas, je ne vois pas de catastrophe. C'est déjà pas mal. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai une grosse allergie au niveau des yeux. Oui. Et du coup, je suis sous antihistaminique. Ça fait à peu près 2 mois. Et ça ne fait rien ? Si, parfois, et parfois ça n'aide pas. Et j'aimerais comprendre le message que je refuse de voir. Le message pour moi que tu refuses de voir est un choc psychologique. Tu as eu plusieurs chocs psychologiques et tu dois faire un travail de l'intérieur. Ça, c'est le rayon de madame, c'est pas le même rayon. D'accord ? Voilà. Tu as eu plusieurs chocs qui ont déclenché ces allergies. Tu vois pas. Ben voilà, tu vois pas. Tu vois. Ben oui, mais c'est très symbolique. Ça date avec ton passé, ma chérie. Mon passé ? Oui. Je pensais que c'était en rapport avec mon compagnon actuel. Non, c'est lié avec ton passé. Peut-être renouveler les erreurs du passé ou les choses comme ça. Ok, merci. Voilà, de rien. Mais c'est pas les médicaments qui vont te soigner. Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si tu vois ma mission de vie. Non, je ne vois pas de mission de vie. Hein. Est-ce que je reste agent immobilier ? Non, tu feras autre chose. Tu vois aider les gens. D'accord. Voilà. De rien. Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si mes 3 fils allaient bien réussir. Non, là, il y a plusieurs questions, madame. C'est plus une question. Tu vois, regarde ça, déjà. Heureusement, je dis une question précise, merci. Elle me dit mes 3 fils. Le professeur a une question. Le grand-fils, et si... Quel âge a-t-il, votre grand-fils, madame? 48, comment il s'appelle? 48, Thierry. 50 ans, j'entends, pour lui. Il est 50. Ah, ça, hein? Bientôt 50. Ah, les 50 ans, quand il passera... Uranus passera sur son signe, il passera à autre chose, ton fils. Comment ? À 50 ans, il sera bien, ton fils. Ah, c'est comme ça. Tout arrive tard pour lui, c'est comme ça. D'accord, merci. De rien, madame. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir, je dois déménager. Il y a des complications. Est-ce que... Mais tu vas déménager quand même, t'inquiète pas. Oui. Oui, ils le font. Ah oui. C'est important pour toi. Oui, c'est tout est prévu, mais il y a des complications. Mais ils le font, il faut que tu te battes et que tu y arrives. Okay. D'accord ? Allez,
Comme si, comme si la maison où tu es te retenait en quelque sorte. Mais il faut partir de là. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais vous demander, j'ai ma fille qui a des très grosses migraines et pratiquement souvent, enfin, presque tous les jours. Donc est-ce que. Elle a beaucoup de colère, ta fille ? Non. Si. Elle a une colère qui est rentrée. Vérifiez le foie et la vésicule biliaire. D'accord. Et priez aussi ce qu'on appelle l'Esprit Saint et l'ange gardien pour votre fille. C'est pas occulte, je suis. Non, c'est pas occulte. Il y a un problème de santé. Il y a une colère qu'elle a, ta fille. Quel âge elle a ? 30. Ouais. Colère sur sa vie, l'impression d'avoir raté plein de choses, machin. Elle est très en colère. Ouais. Elle s'est jamais fait avorter ou quelque chose comme ça ? Non. Non. Voilà, madame. Peut-être parce qu'elle est seule. Non, elle est en couple. Oui, mais il y a des problèmes, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la mettre en colère comme ça, c'est pas normal. Mais ça fait longtemps, hein, depuis qu'elle oui. a 17-18 ans. Oui, mais c'est une colère qui le ramène à son passé. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'amour et tout ça, madame. Bonjour. Bonjour. J'ai mon papa qui a pas mal de soucis de santé. Oui, mais c'est pas son heure à ton père, il va pas mourir, t'inquiète pas. Non, je vois une amélioration de santé. D'accord ? Tu le ressembles à ton père. Ah ! Non, mais laisse-le poser sa question, va. Alors ? N'oublie pas dimanche, toi, hein. T'es dans le collimateur, tu passes pas là. C'est il y a 3 jours chez vous. Oui. Juste pour votre fille, vous n'avez pas dit que je prenais sur tout l'eau, mais je me suis arrêté quand elle était en rendez-vous. Elle avait m'appelé pour me faire rendez-vous. Et au moment où j'ai pris l'autoroute, un camion Saint-Tréca m'a trouvé. Et j'avais mon GPS, c'est éteint, et je suis à Paris. Voilà, c'est pour vous, hein, pour votre fille. Ah. Pour, voilà. Ah, merci là-haut, hein, c'est pas à moi. Hein. Non, mais c'est très tard, je suis pour niveau. Et c'était quoi votre question ? Alors, ma question, je suis venu vous voir il y a 3 ans hier, et je devais, m'avez dit, il y avait un changement chez vous dans 3 ans. Ouais. Et là, eh ben, au mois de mai, là, c'est au mois de mai précis. Eh bien, oui, il faut laisser le mois de mai terminer. Mais c'est quoi ce non, surprise. Surprise. Non, mais ça va. Surprise. Non, faut pas savoir. Non, ils disent non là-haut. Ils disent non là-haut ? Non. Sinon, c'est plus une surprise. Ah ben non. C'est quelque chose d'heureux, t'inquiète pas. Ok, mais ça va arriver. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais avoir un conseil par rapport à mon avenir professionnel. Je suis un peu perdu. Oui. Avant, j'étais artiste de cirque et après un accident, je ne sais plus orienter dans la vidéo. Donc, j'aimerais avoir un conseil là-dessus. L'informatique et tout ça, c'est ça ? Non, plus vidéo et partage. Oui, vous voulez faire quoi ? Des films, des choses comme ça ? Tout ce qui est oui, orienté film ou même divertissement. Des mariages, des choses comme ça aussi ? Non, non, du tout. Ah, ouais, quoi alors ? Ciblé sur quoi ? C'est l'audiovisuel, de toute façon. L'audiovisuel, oui, mais plus dans les, peut-être des voyages, des vidéos sur YouTube, peut-être. Oui, ben, je pense que vous le ferez. D'accord, très bien. Merci. Dans une autre vie, vous étiez clown, monsieur. C'est pas un avatar, mais je vous vois avec un chapeau d'un côté qui passe. Et puis la tenue du clown, c'est très drôle. Et vous savez, quand je vois ça, c'est très drôle. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois, vous savez, les clowns qui font rire les enfants qui vont dans les hôpitaux, les enfants qui vont mourir. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui travaillait là-dedans, quelque chose comme ça ? Vous n'avez jamais côtoyé ? Si, traumatisé. Parce que ça marchait sur vous. Ouais. Voilà. De rien. Je fais une parenthèse. C'est beau. Ah, bonjour Chantal. Bonjour. Moi, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Si je serai à bon endroit ou pas, ou s'il faut que je retourne salarié. Si je retourne salarié ? Oui. Non, pas maintenant. Ok. De rien. Va jouer au sport. Tu fais du sport ? Un peu feignasse aussi, hein. C'est ça. Voilà, c'est garçon. Voilà.
campagne hier soir. Ah. Je vais savoir combien d'années mon frère allait prendre en prison. Il passe aux assises? Entre 25 et 30 ans. Je suis désolée. Il y a une prière. Faut faire la prière des prisonniers, tout ça. Il faut prier Saint Expédie et Sainte Phibe, les patrons de la justice pour ton frère. Eh ouais. On continue. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si j'étais sur le bon chemin. Le bon chemin pour où? Pour rentrer à la maison? Spirituellement parlant. Spirituellement? Oui. Oui, il peut mieux faire, hein? Oui. Oui, il faudrait prier un peu plus. Mais j'ai pas beaucoup de bleu dans ton aura. Ah. Alors il faut un peu plus soutenu, s'il vous plaît. Eh oui. Allez, de rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si l'orientation professionnelle que je suis en train de prendre va. Oui, ça, oui, ça va buter. Mais c'est pas. Il te faut 2 ou 3 ans pour. Oui, je sais. Mais voilà, je te dis. Ah ouais, parfait. Bon, ben 2 ou 3 ans, c'est pas tout de suite, hein, d'accord. Bonsoir Chantal. Bonsoir. On compte changer de maison, donc je voulais savoir si. Moi, je suis d'accord. Hein. Ah, d'accord. Déménage. Allez. Ah oui, déménage. D'accord. Commence à faire les cartons même. Allez, parfait. Merci. Allez. Il y en a marre. Oui. Bonjour. Est-ce que j'ai changé de lycée? Est-ce que tu as demandé à changer de lycée? Et là, ça bloque. Pourquoi ça bloque? C'est pas depuis octobre que je force. Et oui, mais pourquoi il bloque? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ma professeure, elle m'a demandé de rester parce que sinon, que je recommence, je reprends à zéro. Et là, Mais que quoi? Que je vais rattraper le retard aussi. Hein. Dis donc, pauvre petit, t'as eu du harcèlement à l'école, toi? Pour enlever ça, mon petit. Hein. D'accord. Ma poutounette, elle est trop belle. Mais oui! Mais c'est pour t'aider, ma chérie, que je te dis ça. Allez, il faut l'enlever et tout ça, et après tu continueras tes études. D'accord? Oui, changer d'école. Oui, il faut changer qu'elle change de lycée, mais le problème, elle a eu un harcèlement sur elle quand elle était toute petite. Elle est traumatisée de ça, cette gamine. Faut l'enlever, chérie. En une fois, c'est fait. Allez, elle te l'enlève en une fois. Même plus, je ne fais pas plus, c'est la même chose. Ah non, moi, c'est pour aider, moi. Mais là, on fait pareil. Les enfants ne touchent pas. Moi non plus, oui. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais évoluer professionnellement? Dans l'immédiat, non. Désolée. Pourquoi ça fait longtemps que vous êtes là, non? Ouais, mais non, ça reste pareil. Pardon, hein. Non, non. Ça reste pareil. Pardon. Non, non, pas d'évolution. Hein. Non, la petite mère, ouais, mais oui. Elle n'arrive pas parce qu'elle a des séquelles. Hein? C'est compris. Oui. Je sais bien. Bonjour. Qu'est-ce que c'est avec toi? Bonjour. Pardon? Donc là, je continue mon orientation. Oui. Pardon? Vous m'occupez des soins palliatifs? Oui. Avec tout l'amour et toute la douceur que t'as, toi, t'aurais pu être sophrologue à bout ta voix. Ça n'empêche pas l'autre. Ben oui, hein. Elle est toute douce. C'est une boule d'amour, cette femme. Un monstre de douceur. Dans ce monde de grottes brutes. C'est du bien, hein. Continue, restez comme vous êtes, hein. Moi, j'adore, hein. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal. Ouais, bonsoir. Est-ce que je vais réussir dans mon activité professionnelle que j'ai mis en place il y a quelques mois? Oui. Oui. Sois pas pressée. Un petit peu. T'es trop pressée. Ouais, merci. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai pas travaillé depuis 4 ans. Alors c'est grave ça. Ouais. J'ai fait un peu. Ah bah oui, tu t'es coulé douce un petit peu. Ouais. Tu t'es refait une santé? Ben ça va un peu mieux, mais ouais. Ben, ça va de mieux en mieux quand même. À la grâce de ton mère. J'étais secrétaire et je voulais changer. Je voudrais changer de voie professionnelle, mais je ne sais pas à quelle direction. Un stage, une formation pour l'instant, t'as en fait. Moi, je te fais un stage pour une remise à niveau, je ne sais pas ce que c'est. T'as un stage à faire, voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord.
Ça va mieux là quand même, hein? Oui, ça va mieux. Tu reviens de loin, hein? Oui, je suis sur un programme où je fais du sport. Très bien. Je vais avoir confiance, mais de l'autre côté, je suis poussée pour retourner comme secrétaire. Non, pas secrétaire, c'est plus ça. Pas ça, l'argent rentre en fait, c'est ça. On est d'accord. Allez, merci. De rien. Tu fais du vélo? Non. Ah bon? Quand j'ai pris jeune? Ouais, c'est marrant, j'ai envie de faire du vélo avec toi. Ah. C'est drôle. Ça se lève sur toi, c'est D'accord. Ouais, ben réfléchis. Merci. Tu me diras quelle route tu prends comme ça, c'est jamais. Ça va, tu vois, ça va, ouais. Allez, bonsoir. Bonsoir. Je voulais peut-être savoir si je vais évoluer sur le plan professionnel. Dans l'immédiat, c'est non, ma chérie. Par la suite, l'année prochaine, je pense que ça sera mieux pour toi. 2023 est une année importante. Voilà ce qu'on me dit. Et va voir l'ostéopathe, t'as mal au dos, toi, non? Le bas du dos. Ouais, allez, ouais. Ostéo. Merci. Allez. Je suis pas ostéo, mais il faut y aller. Hein. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je veux savoir si ma santé mentale a évolué. Dans quel sens? Est-ce que ça va continuer comme ça ou c'est un changement? Je pense qu'il y aura un changement. Et heureusement pour toi. Allez. Alors, les questions, c'est seulement ceux qui n'ont pas eu de message. Hein. Ouais, ceux qui n'ont pas eu de message, allez. Non, mais attendez, ils arrivent. Allez, on va activer parce que vous parlez tous là. Papa, je me lève. Je me lève. Et si je me lève et que je passe, là, ça ne va pas tourner. Hein. J'appelle tous mes copains et je m'occupe de vous. Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Attention à ta question, toi. J'en ai 5 ans. Oh mais non, mais là, c'est trop, là. C'est tout en désordre et tout. Ta tête, là, c'est un vrai casse-tête chinois. T'écoute. Alors ça fait peut-être 2 ans qu'avec mon compagnon on cherche à acheter une maison. Et c'est pas ça ta question. Rebobine la bobine en arrière. Pas très loin. Je suis heureuse avec mon compagnon. Voilà, ça c'est la question. Eh bien je te dis oui. Ouais, alors il fallait que tu rebobines un peu là parce que là t'as 10 000 questions dans ta tête toi. Allez. Merci. Sois heureuse et arrête de te poser toutes ces questions. Merci. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi j'aimerais savoir si j'allais me développer professionnellement. D'ici 2 ans à peu près, ouais. D'ici 2 ans. Ok. Super, merci. De rien. Bonsoir, je veux savoir si mon fils va faire une rencontre. Oui, quel âge il a ton fils? 38. Et il a eu plein de rencontres ton fils, non? Oui. Voilà. C'est ça le problème. La bonne. Non, mais je sais pas, il faut qu'il la goûte, hein, pour voir si elle est bonne. Le problème, ce qu'il a ton fils, c'est qu'il sait que... Il sait qu'il plaît. Alors, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est drôle, hein. Mais jusqu'au jour où il risque de tomber sur une, elle va te le massacrer, lui, tu vas voir. Il va pas rigoler, là. Alors, tu lui dis, transmets-lui bien ce message, hein. La prochaine sera mieux. Ouais, parce que ça rigole pas, là. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Pour avoir l'avenir professionnel de mes enfants, j'en ai 2. Non, une question précise, j'ai dit, c'est pas de personne. Ah, bah alors l'avenir professionnel de mon fils. Comment il s'appelle ton fils? Diego. Il travaille là, actuellement? Il est des extras. Ouais. Non, il a trouvé quelque chose de plus stable. Ah ouais? Ouais. Ben, faut pas trop lui demander au gars. Déjà, il foutait rien. Maintenant, il se met un peu dans les trucs. Et ça va être de mieux en mieux avec. Quel âge il a, Diego? 30 ans. Oui. Ah ben c'est maintenant où ça va se faire. D'ici 2 ans et tout, ça sera bien pour lui. Pas avant 2 ans. Mais laisse-le, là, il est en train de se construire. Il commence à comprendre. C'est déjà pas mal. Et ma fille, juste parce qu'elle passe le bac cette année. Elle va la voir. Tu lui dis rien. Non. Sinon, il bosse pas. Oui. Bonsoir. J'ai changé de travail, donc il y a 10 mois maintenant, un poste à responsabilité. Donc je suis en CDD et aujourd'hui je me retrouve en balotage donc avec une autre personne à savoir si c'est lui ou non d'avoir CDD. Pas là. Tu ne dois pas rester dans cette ambiance. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui est fou. Il y a quelque chose qui est là. Tu changeras. Tu es trop bien pour eux, toi. Bah oui. Ok. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir de la dernière professionnelle pour mon fils. T'es sûr que c'est ça ta question? Ah, non.
on remet la bobine en arrière aussi. Allez, pose-moi l'autre question, merci, c'est gentil. Pour le mien, d'avenir professionnel, alors. Savoir si je vais racheter la boîte dans laquelle je travaille. Non, non, je ne vais pas. Si. Non. Si. Tu veux travailler à ton compte? Ouais. C'est oui. Mais ce n'est pas ça la question. C'est pour mon fils. Non, c'est pas pour ton fils. C'est quelque chose qui te perturbe par rapport à tes ancêtres et tout ça. Ah, t'as vu là, Ouais, mais c'est pas une question là. Ah ouais, non, mais là, ce serait une consultation, on ne peut pas y aller. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grand-mère qui est sur toi, qui te protège, elle me dit de t'embrasser très très fort. Est-ce que c'est maternel ou maternel? Ça a toujours été ma question. Maternel. C'est bizarre, mais ok. Mais elle avait un sacré caractère, mais elle t'embrasse aujourd'hui. Je suis obligée de te le transmettre. Merci. C'est comme ça. Pour elle, hein, c'est elle qui me dit de te le dire, moi je transmets. Hein. Ben, merci. Voilà. Ton fils, ça va ton fils. Hein? Ouais. Il est proche de toi ton fils. Ben, oui. Heureusement. Allez. Merci. Bonsoir. Merci. Il y aura deux quelqu'un, il y aura un choix à faire. On rencontre quelqu'un, on pense que c'est le bon, et puis il y avoir un deuxième quelqu'un, et peut-être un choix à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ou rien, toi, pas de petite mesure, c'est comme ça. Il sera un peu grand, c'est pas grave. Tu lèveras la tête. Ouais. Entre l'été et l'automne, me donne. Il y a une rencontre, après il y a une deuxième rencontre, hein, pas sur toi. Il y en a deux. C'est quelqu'un que je connais ou... Non, bah non, je vais te dire des rencontres. Hein. Ah, j'essaie de savoir si c'est. Allez. En fait, quand tu rencontres la première rencontre, ne te précipite pas, parce que peut-être la deuxième, c'est mieux. Les questions, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas eu le message. Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le message. Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir. Je veux savoir si mon fils aîné Gabriel, il va réussir sa vie. Oui. Son père rêve. Oui. Son père rêve. Du doute. Non, je n'ai pas peur. Allez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si j'allais avoir un deuxième enfant. Oui. Ah, je vois pas le sexe, je vois un beau bébé et je vois un bébé mélangé. Un beau bébé, hein. Bon, la vache. Hein. Ah, ouais. Hein. Attendez. Vous savez, Chantal, elle a dit que c'est ouais. Que ça bouscule tout le monde et c'est pas les autres, pas les autres, c'est pas la fin. Elle a dit Chantal. Ouais. Bah oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Il fallait se mettre au bout, elle avait dit parce que ça dérange tout le monde. C'est dingue, hein. Il y en a moins de bébés qui sont partis. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, merci. Bon, sinon moi aussi je me lève pour manger. Ouais. Bonsoir. On va faire des signes et on va essayer d'être plus rapide parce qu'il y a des gens qui sont pressés, ils veulent rentrer chez eux. Oui. Il vient de passer le concours pour les écoles de commerce. Il voulait savoir s'il avait pris. Je pense qu'il va réussir, oui. Merci. Tu peux être fier de lui. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir devenir professionnel de mon fils Kylian qui avait un an. Mais il est un peu jeune, hein, ton fils. Hein? Et comme il est au chômage. Moi, je le vois trouver un travail. Pour l'instant, il va démarrer tout ça. Mais après, il a beaucoup de caractère, ton fils. Et il ne supportera pas d'avoir un patron sur le dos. C'est comme ça. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Ma question, c'est juste pour mon aura, savoir. Oh, je suis aux questions, monsieur. Et il veut savoir la couleur de son aura, chouchou. Il y a un peu de bleu, du jaune et du vert. C'est la guérison. D'accord, ok, merci. De rien. Merci là-haut aussi. Merci là-haut, oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, je suis prête à entendre la réponse, mais je veux juste savoir si je vais réussir à avoir un deuxième enfant. Oui. Mais avec un suivi médical, hein. Oui. Obligé. Saint-Gérard-de-Magella. Ouais, Saint-Gérard-de-Magella, c'est un saint... qui est un saint italien qu'on prie pour avoir un bébé en bonne santé, d'accord? Important. J'ai la prière si vous voulez dans le détail, mais rien. Allez, on continue. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si j'allais quitter mon emploi actuel pour monter ma... C'est drôle, je pensais que tu allais me poser une question sentimentale. Bon, j'ai hésité. Ah ben oui. Moi, ton travail, ça me fait... Ouais. Ouais.
préférer la question sentimentale. Eh ben alors, parce que je rencontre quelqu'un. Voilà. Je désespère un peu. Voilà, et là, ça va changer ta vie, mon petit. Là, tu te rappelleras. Tu verras la différence entre le sentimental et le professionnel. Tu te rappelleras de ça. Merci. Rappelle-toi bien de ce que je viens de te dire. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, pour moi, tout mon employeur a le droit de le virer sans aucune raison. Et il n'a toujours pas trouvé la maison que tu m'avais annoncée. Tu vas la trouver. Rapidement. Bah, un coup de cœur, t'auras. Oui, mais rapidement. Oui, oui, oui. Entre 3 et 6 mois, on me donne. Mais oui, mais j'y peux rien. Il faut qu'elle te plaise aussi. Tu vas pas prendre n'importe quoi. Hein. Tu m'avais dit l'année dernière. Mais oui, mais t'es trop compliqué, toi. T'attends le truc comme ci, comme ça, et puis pas comme ça. Là, là, là. On me dit que t'auras un coup de cœur. Merci. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est comment ton prénom ? Mireille. Bonsoir, Mireille. Bon, je voulais savoir si j'avais trouvé enfin un emploi. Oui. Depuis mon licenciement. Oui. Ouais. C'est pas bien en ce moment, toi, là, Mireille. Pas bien du tout, hein. Cet été, ça va aller beaucoup mieux. Tu te rappelleras, Mireille ? Très bien. Dans peu de temps. Fin juin, juillet. D'accord. Voilà ce qu'on me dit de te dire, Mireille. Très bien. Voilà. Merci. Et tu vas retrouver un peu le goût à la vie. Rappelle-toi de Mireille. On t'entend de l'autre côté, Mireille. Ne t'inquiète, oui, ne t'inquiète pas, on t'entend. Ne doute pas. Très bien. Allez. Merci, Chantal. Rien. Oui, bonjour Chantal, je voulais savoir de là-haut qui me protégeait, de ma famille. Un grand-père et puis je vois un gars la moustachu, c'est qui le moustachu? Non, c'est pas Paul. Non, la moustachu, ouais. J'ai un grand-père... Moustachu ouais. Non, maternel était... Ouais, des petites moustaches. Ben oui, mais c'est... il te protège. Lui qui me protège. C'est le monsieur avec les moustaches. D'accord, merci. Voilà. Merci Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je voudrais savoir, je suis sur le point de changer de travail, enfin de partir, je travaille dans les vannes, voilà, plus exactement. Oui. Depuis 7 ans. Ouais. Mais j'ai des problèmes de tendinite de partout. Et ça veut dire qu'il faut voilà. Faire autre chose. Je pense que voilà. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu passes à autre chose. Ouais. Alors je voulais faire une formation. Je suis attirée et branchée par tout ce qui est médecine naturelle. Voilà, ben oui, mais toujours le médical, toi. Je cherche pas de tout est fait pour ça. Mais, oui, mais c'est vaste le médical. Tu seras guidée, ne t'inquiète pas. D'accord. Donc je vais dans cette voie-là. Tu vas toujours dans le médical, tu es faite pour ça, j'ai dit. Ok, d'accord. Allez, merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je suis à un carrefour dans ma vie professionnelle et je voulais savoir si j'avais raison de me dire je plaque tout et je. Va-t'en. Retrouve-toi. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonsoir, Chantal. Je voulais savoir si la guerre en Ukraine générée par M. Poutine allait entraîner une troisième guerre mondiale non. Avec la France en ce moment. Il y aurait longtemps qu'on aurait tout sauté, ma chérie. Ouais. Non, mais comme il va s'étendre, notre France est très protégée, heureusement pour nous. Merci. Merci d'avoir. Bonsoir. Je suis Patrice, Gabriel. Je sais. Je n'étais pas loin de vous ces jours-ci. Et lors de ma dernière entrevue, vous aviez évoqué le fait que nous avons vécu 3 vies ensemble. Oui. Vous pouvez juste nous donner quelques images pour qu'on puisse en. Non, je suis en question, je suis désolée, c'est des vies antérieures. Oui. Vous avez été mari et femme, amant et maîtresse, et frères et sœurs. Ça ne sort pas de la famille. C'est comme ça que vous avez mis au début. Voilà, frères et sœurs. En fait, ce n'est pas une rencontre pour vous, ce sont des retrouvailles. Vous vous êtes retrouvés. Et merci là-haut. D'accord. Ils sont beaux. Hein. Oui, ils sont beaux. Oui. Ah oui, c'est j'ai retrouvé. Oui, c'est trop cher. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais juste savoir si j'allais pouvoir concrétiser mon projet professionnel. Oui. Tu doutes, hein, coquine? Oui, je doute. Mais je sais. Arrête. À côté. Oui, moi, je voulais savoir sur ma vie privée si j'allais rencontrer un homme bien pour une fois. C'est quoi quelqu'un de bien pour vous, madame? Bah, quelqu'un qui. C'est bien. Bon, c'est ce qu'elle va rencontrer l'amour. Ouais, non,
non, mais vous n'avez pas posé la question, est-ce que je vais être amoureux, Chantal, est-ce que je vais tomber sur... Ah bah oui, mais j'ai un cœur d'artichaut, donc souvent... Mais tu tombes tout le temps amoureuse, toi, c'est oui. Ça le problème. Ouais, c'est quoi quelqu'un de bien pour toi, c'est pour ça que... Ah, un peu chouchou. C'est toi. Bah, quelqu'un d'honnête, de droit... De sincère. De sincère. Alors tu l'auras. Voilà. Merci. Allez, on continue. On continue. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas été cédé, il va y avoir 6 ans. Je voulais savoir si j'étais... Très bien. Souvent proche de toi. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Bonjour, je m'appelle Martine. Bonjour, Martine. Mon père est décédé. Merci, Martine, tu m'as donné le signe. Mon père est décédé en janvier 2010, brutalement à lui. Et je voulais savoir s'il avait quelque chose à nous dire, qu'il avait le temps de nous dire. Non, il est bien de l'autre côté, votre papa. Il y a beaucoup de secrets de famille, mais c'est trop compliqué à développer, madame. Voilà, oui. Il est bien de l'autre côté, ton papa. Il le mérite. Bonsoir. J'aimerais juste savoir si je vais rencontrer le grand amour. Oui, t'es difficile, toi. Ma fatigué. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit grand. Oh là là, oh là là, mais aujourd'hui, c'est la journée. Hein, hein? Ben j'espère, hein, parce que double comprédat, parce que là, il y a... Baisse la barre un peu, ben, elle est un peu haute, d'accord? Un truc plus cool, plus tranquille et tout, pour toi, ça sera mieux, d'accord? Ne te prends pas la tête, de rien. Et n'aie pas honte de ce que tu es, comment tu vis, tout ça, d'accord? Arrête d'avoir honte, je t'interdis. Tu as bien compris ce que je te dis. Sinon, je vais te faire comprendre. Allez, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Pour ma fille qui a développé des TOC. Ah. Oui. Et un TOC, bon, elle a besoin d'aller aux toilettes toutes les heures. Je voulais savoir. Mais ça dépend, c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle fait les deux trucs ou elle fait quelque chose? Ah non, c'est toujours pipi, mais c'est trois gouttes, quoi. C'est du stress. C'est... Elle est angoissée, stressée. Oui. C'est des peurs qu'elle a. Oui. Ça relève. Les peurs, c'est les reins. Ouais, c'est les reins. Ça relève. C'est des chocs qu'elle a eu et tout ça, et donc il faut travailler sur les chocs. Mais ça se traite, hein, les phobies. Hein. Sous hypnose, on traite très bien ça. D'accord. Quel âge est-elle, ta fille? Oui, ben, sous hypnose. Un choc, après choc, choc, hop, elle enlève. Mais ça dépend, madame. Quelle hypnose? Voilà. EMDR. Voilà. Ah, tu le vois? Oui, oui, oui. Trois séances, je pense, pour ça. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Il fallait pleurer. Non, arrête. Pas être caché, du coup, tout à l'heure, je... Mais c'est bien, j'allais dire. Je pense que vous avez répondu un petit peu à ma question tout à l'heure. Non, c'est pas votre question, c'est la question de la dame. Vous, je veux écouter la vôtre question. Il s'agit de ma fille qui a été harcelée à l'école et depuis un an, elle s'est fait du mal jusqu'à le suicide. Oui. Et je voudrais savoir si elle va aller mieux. Vous avez changé d'école? Oui, on a changé d'école. Très bien. Il faut la faire suivre. Elle est en septembre, elle doit rentrer dans une école. Quel âge elle a, votre fille, madame? Oui, il faut la faire suivre. Elle a été suivie déjà, psychiatre. Enfin, non, mais oui, mais ça, en tant que de médoc et tout, c'est des techniques qui sont beaucoup plus rapides, le MDR, l'hypnose et tout, madame. Je vais vous faire une ou deux fois, ça dépend le nombre de temps. Voilà. Je lui efface dans l'amidale. Voilà. Je vous explique. D'accord. Vous m'appelez, puis je vous explique. Et c'est 50 euros. Bonsoir. Je suis à la maison. Ta maison? Ouais. Ta maison, t'es pas la maison de retraite? Non, pas encore. C'est pas les pas. Non, ça va, c'est juste que je vais avoir des soucis avec la mairie ou la métropole, ou si je peux faire ce que je veux. Non, tu peux faire ce que tu veux, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Un château. Ils sont déjà venus, ils sont repartis, je les attends. Oui. J'arrive pas à t'attendre, donc est-ce que je peux faire ce que je veux? Oui, mais dans la limite du raisonnable quand même. Voilà. Merci, de rien. Tu fais pas un casino? Voilà, boîte de nuit ou quoi, non, on va pas déconner. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, je sais ce qu'on se dit. J'ai rencontré l'année dernière ma femme jumelle. Oui. Actuellement, je suis avec une autre personne. Ah, mais c'est pas ta femme jumelle. Parce que quand on rencontre sa femme jumelle, on ne quitte pas. Ah, c'est pas mon cas. C'était une âme sœur qui était connue. Ça n'a rien à voir. Bah, après, j'avais une confirmation par des jeunes. Actuellement, je suis avec quelqu'un. Je veux savoir déjà si tu es avec la bonne personne. Ni l'un ni l'autre. Merci. Désolée. C'est pas la femme humaine, ça.
Oui. Oui, wow, je me tentais à la Alors, elle est belle, hein. Je voulais savoir si mon grand-oncle avait laissé un écrit pour moi. C'est qui? Mon grand-oncle. Qui est décédé? Oui. S'il avait laissé quelque chose pour toi? Oui. Ou une lettre, quelque chose? Oui. Peut-être un petit héritage, mais pas une lettre. Non. Non, il n'a pas laissé d'écrit, je suis désolée. Ah oui, je suis désolée, ma chérie. Allez, en tout cas, tu es très belle avec ta robe léopard. Hein. Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. De plus en plus, j'ai des symptômes au ventre, alors c'était juste nerveux ou... Oui, c'est nerveux. Toi, c'est tout dans le tibia, docteur. Merci, Chantal. Rien. Bonjour, Chantal. Bonjour. Alors, moi, j'ai un problème au niveau de l'oreille gauche. Oh là. J'ai été opéré 5 fois et là... Qu'est-ce que c'est que tu veux pas entendre? C'était lié à des otites chroniques. Oui, mais il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre. C'est par rapport aux parents, c'est par rapport au travail, que tu ne supportes plus, que tu ne veux plus entendre. C'est des reproches, c'est quoi? Je ne sais pas. Peut-être que quand j'étais petite, j'étais abusée. Oui, mais il y avait quelqu'un qui te faisait peut-être des reproches, qui te criait dessus, et que tu ne supportes plus. Tu arrives à un âge où tu ne peux plus, tu ne supportes plus. On se mêle de ta vie ou des trucs comme ça. C'est pas occulte. Hein? C'est pas occulte. Non. Non, je vois pas. Ah si, ça remonte à la petite enfance. Restitution d'âge, je descends à l'âge de 5-6 ans, quand tu étais un petit garçon. Eh bien, à 5-6 ans, on a enfermé dans mon cas. Merci! Eh bien voilà! Et c'est depuis l'âge de 5-6 ans que ton problème est sur toi. Voilà. Et c'est pour ça que ça se renouvelle. Peut-être voilà. Aussi tous les 5-6 ans, voilà. Arriver à un certain âge. Donc, du coup, je dois me réoffrir en ORL. Non, je ne le ferai pas. Ah oui, j'ai un doute sur mon ORL. Non, ton ORL. Pardon. Bah, je me rends compte d'avoir plus de la guérison spirituelle. Voilà, plus sous hypnose et tout, enlever tes angoisses et tout ça. Quoi. Surtout ce qui s'est passé là. Voilà. À la petite. On efface la carte. Voilà. Je suis enfermée dans une cave. Mon père. C'était courant. Hein. Ouais, mais quand même. Hein. Je me souviens, je m'inquiétais pour pas. C'est des traumatismes. Pour pas aller dans la chicane, je suis resté chez moi. Ben oui, mais c'est des peurs. C'est, ouais. C'est un souffle. Le stress, c'est parce que les peurs vont avec l'oreille. D'accord. C'est relié. Après, ça joue sur le cerveau. En fait, c'est un problème psychique, c'est pas mécanique, tu comprends? C'est une digestion qui n'est pas digérée. La tumeur, elle est arrangée à l'intérieur. C'est pas quand c'est parce que ça. Tu meurs, oui, mais... j'ai eu peur de mourir aussi dans la cave. Ben oui. 5-6 ans, j'ai eu peur. Ben oui, quand tu meurs, moi meurs. Pas... Là, je vais voir un guérisseur. Il y a des bruits, voilà. Oui, tout à fait. Il y a des bruits. Ok, ben merci. Et tu ne te fais pas opérer, c'est clair? Alors, ton ORL. J'avais un doute. Allez. Merci. Et tu gardes bonne santé. Chantal, bonsoir. Qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer la bonne personne? Changer d'endroit. Pourquoi tu veux rencontrer dans le travail, toi, c'est ça? Non. Elle veut juste rencontrer l'amour. Sortir. Aller à un club de sport, danser, oser faire des choses que tu fais jamais. D'accord. Casser le schéma, d'accord? Sans ton parachute. Tu te mets pas des challenges, mais tu te mets des trucs et tu bouges. D'accord? Ouais. Pour un homme plutôt brun, quoi. Ouais. Ouais, donc, ouais. Oui, bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir quand est-ce que je vais revoir ma petite fille. T'as qui? Ma petite fille. J'ai compris, ma petite fée. Sa petite fille. Voilà. C'est une fée. Ah, tu vois, regarde. Pas tout de suite, mais tu la reverras. Elle pense beaucoup à toi. Quel âge elle a? 3 ans. Voilà. 5 ans, 6 ans? Pas tout de suite. Et c'est par rapport aux enfants, ça, non? Qui te bloquent? Non, c'est la belle fille qui s'est échappée. Ah oui, avec le petit, avec la petite. Oui. Mais tu la reverras, ta petite fille, ne t'inquiète pas. Oui. Prie pour elle, hein, parce qu'elle t'entend. D'accord. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir comment avait-il une sens mentale. Vous avez rencontré un Nicolas. C'est quoi? Il y a du message subliminal. Il a dit, tu veux savoir qui est son Nicolas? Ouais, il veut un Nicolas. Tu
vas rencontrer Nicolas? Ouais. Lui, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Tu voudrais te marier, toi, ou pas? Hein? Ça ne m'entendait pas bien. Mais ça va, oui. Pas pour les papiers, hein? Non. Ah, mais il y aura proposition au mariage après. L'homme propose et puis l'autre dispose. Ah, hein. Voilà. Tout marchera bien sur toutes les coutures, tu vois ce que je veux dire? Tout fonctionnera bien. Il va ouvrir tous les chakras. Voilà. Allez. Bonsoir. Je voulais savoir si avec mon conjoint on arriverait à construire enfin notre maison. Oui. Merci. Tu l'auras ta maison, mon petit, tu l'auras. Merci. Elle va se péter après, t'as vu, on aura que. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Mon papa est parti de 21 jours. J'ai actuellement, je suis entre deux hommes à faire. J'ai pas compris. Mon père est parti. Je pense qu'il m'a mis à l'heure actuelle un choix entre deux hommes. Ouais. Est-ce que l'un des deux. Il y en a un qui est disponible et l'autre il n'est pas. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. On met pas deux pieds dans la même chaussure. Voilà. Un qui est dispo, l'autre il n'est pas. Donc voilà, le choix est fait. Voilà. Ben oui. Merci. On ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Eh ben oui. Allez, bonsoir. À propos de mon fils, est-ce que sa santé va rentrer dans l'ordre? Oui, il y a des soucis de santé, hein. Oui. Quand même, hein. Il est bien soigné et tout ça, mais c'est long, c'est lent. C'est très long, ça fait. Ouais, c'est très très long. Il est sous morphine et ça commence à. Mais j'ai amélioration de santé pour lui. Amélioration. Oui, ça. La guérison totale. Pas la guérison totale. J'entends, je suis honnête avec toi, amélioration de santé. Voilà ce que j'entends. D'accord. Merci, voilà. Chantal. C'est déjà pas mal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Pourquoi tu veux le vendre? Parce qu'on est en vécu, on est 6. Ah oui, d'accord. Oui. Tu peux pas le partager en 6 morceaux, hein? C'est un petit terrain. Oui, d'accord. Mais c'est un terrain constructible? Non. C'est agricole, un terrain agricole? Vous allez le vendre. Mais là-haut, ils sont pas contents. Ben, oui. C'est le côté de ton père et son terrain, c'est important. Voilà, je te transmets le message. Okay. Merci. Allez, on continue, bonsoir. Tu cherches? Oui. Pas vraiment. Cherche vraiment. Allez, hop. Ils sont terribles, hein, c'est pas possible. Hein. Allez, continue, on va avoir le moral. Hein. Allez, bonsoir. Concernant ma vie sentimentale, savoir si j'aurai une relation durable. Si tu vas rencontrer quelqu'un? Oui. C'est oui. Et qui dure jusqu'à la mort, ça peut, c'est bon. Merci. J'appelle ça un CDI, moi. Allez, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je vais changer de profession à la rentrée. Je voulais savoir si l'orientation que j'ai choisie est le bon chemin. Oui, mais c'est long parce que tu crées quelque chose, c'est ça. Hein. Oui. Ben, tu démarres, hein, donc. Si tu ouvres pas la porte, ça y est, t'as 20 personnes ou quoi, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, il faut du temps. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Là, c'est ma fille, là, on fait une rencontre de femmes. Comment elle s'appelle ta fille? Alexandra. Ben, foutu caractère ta fille, hein. Elle a quel âge? Elle a quel âge ta fille? 38. Hein? 38. À 40 ans. Mais il faut que c'est un caractère, mais l'eau dans un. Oui. À côté. Rebonsoir, Chantal. Rebonsoir. Voilà, moi, c'est un problème depuis l'enfance. Oui. Depuis l'âge de 5 ans. Oui. Je suis poursuivie. Oui. Quand je dis poursuivie, c'est que j'ai perçu à l'âge de 5 ans, je voyais des choses. Et là, il m'arrive encore de les voir. Et ça se manifeste par une odeur de cigarette à des heures bien précises. Oui, c'est des esprits, ça, des mauvais esprits. Oui, parce que je vivais dans une maison qui était habitée. Voilà, c'est ça. J'ai compris. Une maison qui était possédée. Voilà, parce que là, les militaires, ils étaient tombés. Oui, pendant la guerre. Il y a eu des morts. Voilà, c'est ça. Et toi, t'es arrivé là-dedans? Oh, j'ai tout récupéré. Merci. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Faire nettoyer, dégager. J'ai fait. Encore. Mais ils persistent. Bah parce que t'as pas encore assez nettoyé. Il faut leur faire une lettre.
Non, oui, là, il faut voir un exorcisme. Je ferme les yeux. Je vois. Non. T'as gardé quelque chose de cette maison? Non. T'es sûre que t'as jamais... Ah si, j'ai gardé de mon grand-père un petit parapluie qui m'avait... Un petit pantalon. Vire-moi cet objet. Et un petit chien. Je ne veux pas que tu gardes un objet qui appartenait de cette maison. Elle et tu vas te faire nettoyer, d'accord? Ouais. Voilà. Oui, je me suis déjà... J'ai déjà vu... Non, c'est pas assez... Non, exorciste. Non. J'ai déjà vu. Oui, mais c'est non, pas assez. Mais tu vas me dire et le parapluie... Tu le vires, d'accord, en rentrant dès ce soir. D'accord. Allez. Et le fait de voir des choses comme ça, de... Débloquer. Parce que je suis très croyante, je ne fais que prier. Je sais que tu pries. Tes prières, elles sont entendues, mais tu as besoin de voir un prêtre exorciste. Oui, j'en connais pas. Ben, il y en a ici. Le père Georges. Allez, on te demande. Il a été très malade, le père Georges. Merci, Chantal. De rien. Allez. Je vous... Du silence, merci. Oh là là. Et puis il y en a qui se lèvent et ils partent en catimini, tu sais, ça me fait rire. Hein. Heureusement que je leur dis de ne pas partir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais changer de département pour me rapprocher de ma fille. Et tu vas aller où? Dans les Raux. Oui. C'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Dans un village? Oui. Vers Castelnau? Non. Les Raux? Vers Agde. Voilà, Pro-du-Roi, tout comme ça. Pro-du-Roi, peut-être, oui. C'est mieux. Pro-du-Roi? Ouais. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Et j'avais Castelnau-le-Lez aussi qui marque sur toi. Retiens-le. Oui. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si on arrivait avant notre maison, avant la fin de l'année. Oui, t'avais simple compris. On va pas tarder. Voilà, baisse. Allez, n'oublie merci, pas. Chantal, merci. Elle est trop chère. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Pour suivre mon épouse, la question est, allons-nous parvenir à acheter une maison d'amour à la campagne dans le proche arrière du demi soir? Oui. Mais il faut vendre. Faut d'abord vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué les commandes. On vend d'abord et on achète ensuite. Hein. On fait par ordre. Allez. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma mère va pouvoir rester dans sa maison. Oui. Ah. Elle n'ira pas dans un iPod. Voilà. J'aime bien dire ça. Allez, bonsoir. Bonsoir, Chantal. J'ai ma petite fille qui a des troubles de l'attention. Oui. C'est du TH. Donc, elle fait des crises qui sont insupportables pour elle. Elle est baptisée, ta petite fille? Non. Ça vient de là. Des mauvais esprits qui se mettent sur elle. Il faudrait faire nettoyer. Voir un prêtre exorciste. À Saint-Laurent-du-Var, il y en a. D'accord? Donc, les psychiatres... Ils ne peuvent pas, les psychiatres. Ce n'est pas de leur domaine. C'est paranormal, ma chérie. Désolée. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils est marié. Non, bientôt, non. Non, quand? Il se mariera d'abord, je veux qu'il tombe sur la bonne. On est d'accord. Et là, pour l'instant, il n'a pas. Parce qu'il y a 2 ans, vous m'avez dit dans 2 ans. Oui, bah, tant, mais il n'a pas encore la fille, donc je ne veux pas dire. Eh bien, il faisait quelqu'un s'il n'a pas. Chaque chose en temps et en heure. Merci. Allez, de rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si j'avais rencontré un amoureux. Oui. J'ai jamais toi. Oui. Oh là là, C'est pénible d'entendre les gens qui parlent là. Le peu de drôle, il parle beaucoup là. C'est fatigant. Mais la langue. Hein. Je vais sortir, je vais avoir la tête comme un compteur. Non mais on a déjà un compteur là. Est-ce que ça va m'arriver bientôt? Oui. Merci. Il faut y croire déjà. Est-ce que tu y crois là? Mais oui. J'espère bien. Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir Karine. Oui Karine. Avec un cas ou un cas? Avec un cas. Oh, s'il vous plaît. Je voulais savoir si j'allais débuter ma nouvelle activité avant la fin de l'année. Non. Non. Septembre. Les mois en breu. Septembre, octobre, novembre, décembre. Breu. Okay. Merci beaucoup. Août, il n'y a pas breu. Il n'y a pas breu. Je viens non plus. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Quand je vais rencontrer ma femme jumelle, à 22 ans, c'est un blanc, c'est pas un noir. C'est pas noir. Tu plais, toi, de toutes les façons. Ça tourne autour de toi, ça tourne loin et tout ça, mais c'est pas encore la bonne personne. Tu la reconnaîtras. Dès que tu le verras, tu le reconnaîtras. C'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, c'est pas grave. Voilà. Tu lui as déjà dit, je crois, la dernière fois. Mais tu lui as pas déjà dit ça? Non, j'ai pas de date, hein, c'est pas marqué avec une date. Hein. Il y a quelqu'un à 22 ans et c'est quelqu'un de plus jeune que toi et c'est quelqu'un de blanc. Allez. Ben oui, c'est comme ça. Bonjour.
pas tout de suite. Un brun moustachu, barbu, plein de poils partout. Poilu. Hein? Pas tout de suite. Un brun, je te vois. Il est beau, hein? Il est beau. Allez. C'est pour ça que non, vous avez eu ce qui aura eu. Pour laisser aux autres. Je voudrais du silence. Mais c'est pas possible. Mais toute la séance, du début à la fin, je demande du silence. C'est tout ce côté-là, ça. Ils sont indisciplinés. Oui, non, mais quand même, attendez, on n'en plus. Allez. Si je suis super attendante, je n'ai pas compris. Spirituellement, dans mon chemin. Oui. Continue à prier, n'aie pas peur. Arrête de te planquer sous la couette. Je vois. Sous la couette. Oui, il n'y a pas de confiance en moi. Et confiance. In Portuguese. Et comment on dit en portugais, je sais confiance. Pas. Confiance. Oui. Et confiance à toi. Allez, de rien. T'es gracieuse, hein? Très gracieuse. C'est ma fille. Ah, t'as vu, ma mère. Elle est fière comme ça. Ma fille. Allez. Il est beau, Georges. Ça fait des années que je prends un antidépresseur. Ouais, c'est pas bon, hein. Et les médicaments pour dormir, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, il faut voir un médecin, il faut arrêter tout ça, c'est pas bon tout ce que j'ai déjà. Oui, mais lui, ton bourre de médicaments, ça va pas, non, quoi? Ben non, t'es pas un chien. Je peux faire. Arrêtez tout ça, revoir un autre docteur. Priez l'Esprit Saint. Et prie l'Esprit Saint. Tu pries, toi, quand même? Un peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Dans le lit, tu pries un peu avec le chapelet. Oui, mais tu le fais plus, aussi, hein. Sœur Anne, je le vois pas le chapelet, moi, hein, d'accord? Non, mais maintenant, non. Eh bien, il va falloir le refaire. Ouais, allez, par exemple. Allez, à côté. De rien. Tous ces médicaments. Moi, juste en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans mon bonsoir, mariage. Bonsoir, excusez-moi. Un petit peu compliqué dans mon mariage, savoir si ce sera jusqu'à la mort. Non, tu le sais. Je sais que tu le sais. Allez, bonsoir Chantal, bonsoir Laurent. J'aime bien tes cheveux. Merci. Allez, je t'écoute. Je voulais savoir, mon père qui est décédé il y a 3 ans et demi, oui, si il est en paix, libéré. Actuellement sur un plan de musique, oui. Très bien. J'ai un peu des doutes parce que. Non, il n'y a pas de doute. Il est monté, ton papa. Il a mis à peu près 1 an pour monter, ton père. Okay. Et quand on a fait des choses très, très mal, est-ce que... Oui, mais il a mis un certain temps, il a mis à peu près 2 ans pour commencer à monter. Même quand on a fait, beaucoup de mal, oui. Sur les vivants. Oui. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il est haut, ça veut dire qu'il est dans la lumière. Il est dans la lumière et il doit régler pas mal de choses de l'autre côté, t'inquiète pas. Sur le mal qu'il a. Ah oui, oui, après il faut travailler. Bon, d'accord. Ça ne t'appartient pas, tu le laisses à Dieu qui s'occupe de là-haut et de lui, d'accord? D'accord. C'est Dieu qui s'occupe de tout. D'accord, on ne l'oublie pas. D'accord. Merci. Allez, Florian. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi, je suis ici en vacances. Sinon, j'habite en région parisienne. Et j'ai des bruits anormaux chez moi. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être d'origine humaine. Non, c'est des esprits. Voilà, j'ai fait nettoyer chez moi 2 fois, mais je continue à entendre taper. Donc, je me demandais est-ce que... Des ménages. Pas c'est pas l'immeuble. Parce que même si on fait nettoyer, c'est tout l'immeuble qui va pas. C'est pas lié au fait que ma mission de être. Non, je viens de te dire que non, il faut déménager, c'est tout l'immeuble qui va pas. C'est pas ce que je te dis. Donc, même si on nettoie, ça va recommencer. Donc, il faut déménager. Ça fait longtemps que tu es là en plus. Oui. Et depuis que tu vis là, tu n'as jamais eu vraiment de bonheur. Non. On est d'accord. Déménage. Voilà. Sans regret. Les murs, ils restent, nous, on reste pas. Bonjour Chantal. Bonjour. Bientôt, je dois me faire enlever une dent. Est-ce que ça va bien se passer? Oui. Rapidement. Tu crains les dents? Je crains de les faire enlever. Et non, il faut le faire. Ouais. Ça se passera bien. Pourquoi il n'est pas bien ton dentiste? Ah, je sais pas, je le connais pas. On m'a envoyé chez lui parce que ma dentiste ne le faisait pas. Ah, d'accord. Mais non, je pense que c'est un stomatologue, c'est ça? Un chirurgien dentiste. Non, mais je pense que ça se passera bien. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. J'ai une question qui concerne la santé de mon papa. Il a des vertiges et des troubles de l'équilibre depuis plusieurs années. Quel âge il a ton papa?
à 68. Attention qu'il n'ait pas un commencement d'Alzheimer ou quoi, hein, parce que j'ai la tête, ça va pas la tête. Ouais. Il faudrait faire un IRM de la tête, quelque chose comme ça. Pour donc, il faut peut-être consulter un homme ou l'autre. Ah oui, 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 tout à fait, faire un IRM de la tête, des examens beaucoup plus approfondis. Voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord. Allez. Donc, merci. Alors, je voudrais poser une question pour mon fils Philippe. Il a l'intention d'acheter un bien immobilier à retaper, ouais, à Couette-sur-Barre dans une maison de village. Oui. Et bon, alors, apparemment, il y aurait des problèmes avec le cadastre. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment une bonne opération immobilière pour revendre. Ah, peut-être que ça sera bloqué parce que c'est le lieu qui n'est pas très positif. Mais moi, on me dit qu'il peut le faire. Mais pas pour y vivre, hein. Y vivre c'est non. Non, c'est pour retaper et revendre. D'accord, ça oui. Mais pour y vivre c'est non. Catégorique. Voilà. Merci. De rien. À côté. Bonjour Chantal. Bonjour. Je suis Eve Garcino, mais là je suis à l'aise, on doit nous arriver sous ce papier. Oui, tu veux. On va pas t'enlever la bouche, t'inquiète pas. Ni la langue. Évoque Saint-Denis, ouais. Ça va pas revenir. Non, ça va pas revenir. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Mon père est décédé l'an passé, ça va faire un an, donc en mai. On est au mois de mai, je te signale. Ça fait un an, le 12 mai. Eh bien, on l'a passé le 12 mai. Oui, non, merci. Oui, aïe, aïe. Ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Voilà. Donc, j'ai eu un contact avec le médium il y a 2-3 mois environ. Mon père demandait la lumière. Je voulais savoir s'il avait réussi à rentrer. Oui, je pense que oui. Il est passé. Oui. Un an, oui. Est-ce que tu le fais, toi? Moi, j'ai mis des bougies. Ah, mais tu continues. Toujours. Ouais. Avec mon cœur, pour savoir s'il vient passer. Mais il te dit le ressenti. J'ai eu un... Il te fera un signe. Ah, ben, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est bon. Voilà, merci. Mais tu continues. Non, il y a du monde. Il faut que tu continues à prier pour ton papa. Voilà. Eh bien, ça s'apprend. Hein? Je lui parle. Hier, plus tard qu'hier, il y a une dame, elle me dit, mais je sais pas, machin et tout. J'ai dit, mais tu vas le prendre dans le jardin. C'est pas de la fainéantise, hein. Hier sur YouTube. D'accord. Non, mais elle veut pas le faire. C'est pas pareil. Il va falloir qu'elle le fasse. Hein. Et elle va le faire pour son papa. C'est clair? Eh oui. Bonsoir. Je voulais savoir si j'allais acheter un appartement, parce que je dois déménager dans 6-7 mois. Tu dois aller où? Dans Lyon, en fait, j'ai pas eu ma mutation pour Nice. Donc, ah, mon propriétaire vend son appartement. Et tu voudrais où à Lyon? En fait, je suis dans le quartier Confluence et j'aimerais rester dans le même quartier. Donc, c'est quel arrondissement? C'est dans le deuxième. C'est bien, c'est mon quartier. Ah, j'adore, mais mon propriétaire vend l'appartement, mais c'est trop cher pour moi. Et je voulais savoir si est-ce que je vais déménager pour être de nouveau locataire quelque part ou est-ce que je vais avoir un. Non, t'achèteras, mais de toute façon, tu n'iras pas à Lyon, toi. Ouais, mais je ne me vois pas à Lyon. Mais j'ai pas eu ma mutation pour Nice. Donc, eh bien, tu baisses pas les bras, tu restes encore à Lyon, mais tu fais tes papiers pour ta mutation. Tu baisses pas les bras. Il faut que j'insiste sur ma mutation. Oui, ma belle. Allez, merci beaucoup. De rien, ma lyonnaise. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, monsieur, toujours le problème de santé, est-ce que ça va s'améliorer? Sur quoi? Sur toujours le même problème dentaire. Et maintenant, c'est encore des complications au niveau du ventre. Et tout ça, c'est des soucis et toute la maison et tout ça. Mais tu te soignes quand même. Oui, oui, tout à fait. Tu es beaucoup angoissée, c'est ça? Oui. Ça vient de tes angoisses. Tout ça, c'est relié avec tes angoisses. Mmh. Toi aussi, il faudrait faire un peu d'hypnose pour te libérer. On en a fait. Encore, c'est pas fini. Ouais. Ok, merci. D'accord. Mais je te vois pas, à la grâce de Dieu, grandement malade. Merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci, Chantal. T'as un cœur en or, toi. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Alors. Bonsoir, Chantal. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les détails et tout. Et moi, je m'inquiète toujours pour ma famille, je voudrais savoir si ça va aller pour ma famille, ma mère en particulier. Bah oui, pourquoi tu veux que je m'inquiète pour ma mère? Mais laisse-la tranquille, c'est normal, elle va pas mourir, c'est pas son heure. Et mes frères, tout ça et tout. Ah non, ça suffit, là c'est négatif. Là. Reste positif un peu. D'accord, allez. Fais comme Carrefour, je positif. Attention à ta question. Bonsoir, sentimental, professionnel. Je t'écoute. On va dire professionnel, voilà, je suis. Elle est déçue. Très déçue.
Donc il me parle professionnel. Ah ben oui. Tu es sûre que c'est ça la question? Love, love, love. Ben l'amour. Alors là, j'étais contente. Alors si ça va bien se passer avec mon mari. Oui, on va dire. Oui. Des fois, t'as envie de le quitter. Hein. Plus, hein. Ouais. Et casser le balai sur la tête. Il est chiant. Oh. Mais tu l'aimes quand même. Oh, bah oui, oh. Ça oui, ça oui. Oh, il est pas méchant, hein. Il est attachant. C'est ça. Hein? Mais tu l'aimes. Non, non, c'est un CDI avec lui. Hein. Ah bon, bah, il n'a pas de divorce. Hein. Arrête de lui crier dessus. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu. Mais oh, non. Le mur, il doit trembler à la maison. Un peu, un peu. Il dit rien, lui. Des fois, il se défend quand même. Ah, quand même. Il est gentil, moi je défends ton mari là, hein, attention là. Tu défends que les maris, toi. Mais oui, je défends les maris, moi. D'accord. Merci. Et c'était quoi ton autre question? Ben, c'était si je suis actuellement au chômage, si je vais trouver oui. Rapidement un et bon après, travail. Après, tu gueuleras moi, après sur ton mari. Ben, c'est ça, je pense aussi. Ah, moi je ne pense pas, j'en suis sûre. Elle sera plus à la maison, donc ce sera bon. C'est ça. Je vais gueuler que ça dessus, hein. On te filmerait, je te jure, si je te mets le film, tu dis non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Vis ma vie. D'accord. Allez. Merci. Sois gentille avec lui. Promis. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je ne sais pas quoi te demander. Je ne peux pas m'en dire. Merci d'avoir que j'ai gagné là-haut, que j'ai gagné mon procès. Ah oui, merci là-haut, hein, parce que quand même, c'est qu'il. Donc toute l'affaire repart à zéro. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Il y aura négociation, il y aura reprocès. Là, après, tu veux partir de là quand même. Hein? Ah, mais avec plaisir. Ah non, tu vas partir. Ah, mais avec plaisir. Parce que c'est trop lourd. Hein? Je boirai le champagne ce jour-là. Et le jour où tu pars de là, mon Dieu, tu vas revivre. Mais oui. Voilà. Il faudra partir de là. Je serai seule quand je déménagerai? Non, je pense pas. Mais tu vas partir de là. Oh. Et quand tu pars de là. Ouf. J'espère que ça va être rapide. Ah, ça se passera d'un coup. Tu vas rien comprendre. Allez. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, comment ton prénom? Lulu. Je t'écoute. Allez, si tu peux, Muriel. Elle a perdu son compagnon au début. Là, il n'y a même pas un mois. Avril. Ah oui, ça fait un mois et demi alors. Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Il se repose. Tu l'as accompagné jusqu'au bout? Eh ben oui. Il n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. Il se repose, il te remercie pour tout. Pour l'instant, il faut le laisser tranquille. Quand j'ai quelqu'un qui a mangé, ça veut dire que je ne veux pas discuter, je laisse tranquille. Il faut faire le deuil, il faut le laisser monter un petit peu. C'est d'accord? Récent, hein, c'est trop c'est récent. Trop récent. Prie pour lui. Oh, elle le fait. Mais je sais que tu pries. Mais continue. Allez, bonsoir Chantal, bonsoir. Valérie. Avec mon oncle, on a une convocation judiciaire dans un mois. Dans où? Une convocation judiciaire dans un mois pile. Ah, pour fin juin, pour ma maman. J'aurais voulu savoir si ça allait bien se passer. Oui. Pour qui? Pour ta maman? Oui. Pourquoi que ça se passe? Il y avait une tutelle et il y a des problèmes avec la fratrie qui vont créer des histoires terribles. Et vous détestent tout. Oui. Pardon. Bien sûr. Attention, c'est des drôles. Oui, vous m'avez prévenu parce qu'on s'est vu et vous m'avez dit. Mais je ne me rappelle plus, mais je suis oui. Et là, donc là, on a la date. Proprié Saint-Expédie et Saint-Yves, d'accord? Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir ma belle. Moi je voulais savoir si en prenant de l'âge, je continuerai à avoir toujours ma tête et mes jambes. Oui. T'as peur de ça toi? Oui. T'as peur de perdre la tête? C'est ça. Tu ne la perdras pas tête. Tu ne feras pas comme Henri IV. Allez. Tant mieux. Merci Chantal. Allez, on l'a retrouvé quand même. Allez, c'est. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi j'ai mon fils de 24 ans qui est handicapé lourdement. Moteur, tu veux dire un fauteuil roulant? Beaucoup plus. Il a toutes les dents de devant qui sont cassées, je dois le faire opérer en anesthésie générale. Est-ce que ça va bien se passer? Oui. Ils vont lui faire les dents? Ouais. Ben oui, obligé. Obligé d'aller. Ben oui. Hein. Et c'est un bon docteur? Je ne l'ai pas encore trouvé parce que c'est très difficile de trouver un dentiste qui opère en clinique. Ils opèrent tous en cabinet. Moi, je pense que tu vas le trouver. Tu vas le trouver. On va le chercher. Je te dis que tu vas le trouver. Moi, j'ai un dentiste qui est pas mal. Je vous donnerai le téléphone. Moi, Chantal, je voudrais te demander si ma petite fille qui va être placée, ça va bien se passer. Oui, d'accord. Elle est très protégée. Merci, Sainte-Thérèse. Messieurs, dames, merci, bonsoir à tous. Un bon été.
tous les artistes.